C'est tu emboîte-les et Oh advienne que putain! pourra. Allez Oh hop. 7 putain, c'est. secondes! 6 secondes! Et du coup, Oh ouais, fuck! j'ai même pas capté, j'en ai parlé vite fait, Jean, mais ouais, j'ai pas regardé les commentaires du coup de la VOD Silent Hill, mais tu disais que c'était acerbe, apparemment. Ah bah non, mais c'est Normal, que. ça pue la merde. Non, Oh. non, 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 non. Je remets ça là. Ah, mais y en a qui disaient, mais je comprends pas, il a de la merde dans les yeux, il dit que c'est beau alors c'est moche! Alors que franchement, c'est joli, hein. Laisse, non. C'est nous qui avons beaucoup ici. Oh, mais y a du public! Ah. J'ai même pas capté. Salut! The Game Salut. Award! Salut Arthur! Welcome! C'est le théoricien! Welcome! Et nous faire une théorie sur Geoff! Welcome! Eh, il porte pas de costume! Ah, eh, tu penses quoi des chaussures de Geoff ce soir? Attends, laisse voir! Oh la vache, les baskets! Eh, belle veste! Non, c'est vrai qu'il a la classe aujourd'hui! Eh, il a vu nos réacteurs, il a fait putain! Oh bah putain, bah alors je dirais. Il a vu la bite live chat, il s'est dit bon bah alors je vais faire des efforts. Ça a pas l'air de plaire au petit Whitehouse! Faut qu'on le finisse vite! Ah non, tu te relances pas là-dessus! Là, je me sens plus à ma place! Non, mais de toute façon, Geoff, il va parler, on a le temps de le terminer là! Ouais, c'est clair! Vous faites un Lego de quoi? Ah, le dépêche, Geoff! Ah non, on parle plus de Lego, Arthur! C'est super, ça me regarde pas! Non, ok, ça dure, ça dure, c'est super personnel! Mais ça regarde plusieurs milliers de personnes en plein direct! 4K 60 hein. Normalement j'ai mis 4K, ouais bon, ça lag pas pour l'instant. Je m'en fous de ta vie, gros. Bon bah écoute, hein. Vous voyez comment il me remercie hein, ce gars là. Oui, et puis bro, il a une femme fleuriste et puis quoi encore. En train de baiser un forgeron. Je vais vous prendre un bouquet de gargouillis s'il vous plaît, je trouve ça super joli. Et puis je vais appeler mon chat Utopia, bon allez. Non, bah allez, bah faisons ça. La femme de Tibro fait des obus pour la Russie. Que ce soit clair. Hein. Désolé. Si quelqu'un avait un doute. Le mec qui est au tribunal, désolé. Désolé. C'est, pas de c'est ma femme, c'est pas moi. Tibro au procès de camembert. C'est bon. Force de l'ordre. De camembert. Les... Ah bah ça c'est de la rime, je m'y attendais pas, tu vois. Mid, il a dit ta vie, il vient de dire mid tous ses jeux. Il vient de dire, ils disent all games are bad, except aggro. Ultra bad game. Petits... C'est vrai qu'il y a plein de petits jeux qui ont été sympas, hein, quand même. Bah, hey, Buckshot, Balatro, Dragon's Dogma quand même, c'est vrai qu'on l'a oublié marché, vite, hein. Ouais. Dragon Dogma, moi voilà, j'ai bien fini. Ouais, bah, franchement, c'est l'un de mes jeux les plus joués, Dragon Dogma. J'aimerais bien qu'ils sortent même un DLC, bah, tu vois. Rien. Pense qu'on a Nabil. Merci Dragon. C'est le tout le monde et c'est Akilu. Aujourd'hui, on va jouer à Manor Lords pour la 67ème fois. Impossible. Et après, on va suivre un gros pétail devant le. Gros pétail. Pourquoi tu lui fais un accent belge à Akilu? L'accent canadien. Eh ben, Vlatipak, je me fais une bonne mitraillette avec son sketchup là. Gros pétail. Voilà, coquillette. Pas le pétir. Et le bar à coquillette. Et le bar à cornflakes, fait du bien par où il passe, hein. Sous la tienne, la Palestine, une fois. Salut, je m'appelle Cocotte, voilà, t'es pas que je m'ouvre un putain Coca-Cola avec que j'ai acheté avec mon argent. Moi, je bien frais de Coca-Cola. Wow, vous buvez plus de Coca-Cola. Bah là, on a fait l'accent c'est belge. Cocotte, hein. C'est l'accent québécois. Waouh, ça c'était top aussi. Cocotted, c'est parti. J'applaudis. On va nous critiquer. Moi j'aimerais bien revoir le jeu bon, Jurassic Park aussi. Ouh, gauche, viens. Il y a un gars qui vient de sortir. Imagine George Miller. Oh, c'est le film là, non? Non, non, c'est un jeu ça. C'est pas aussi beau qu'un film. Il faut lui mettre son socle. Ouais. C'est quoi, c'est sur Pharrell Williams le film, c'est ça? Oui, j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs, mais. Et voilà la non, en vrai, c'est une bonne idée. Hein. Ouais, non, mais c'est... je sais pas si c'est un vrai tweet, j'ai vu un tweet des gars qui disait c'était mon idée, il avait un tweet qui datait de. Ah oui, j'avais vu ce tweet là aussi, ouais. Ah, c'est Guerrilla qui le fait! Mais ils ont non, fait. Ils l'ont plagié, c'est une bonne idée. C'est pas, ah, c'est Lego Horizon! Ok, ouais. Ah. Bon, moi, je comprends pas pourquoi il a décliné absolument tout cette licence. Alors, elle s'est très bien vendue, mais bon, c'est pas. Bah, peut-être parce qu'ils ont c'est pas la d'autres. Licence boring. Ah non mais je sais pas, c'est quoi. Ah par contre, j'avais envoyé à Pota, je sais pas si t'avais vu, mais apparemment ils vont faire un remake du jeu The Thing là qui était sorti sur PS2. Mais ouais, non. J'ai vu l'annonce moi sur. Ça peut être cool ça. Ah mais oui, j'ai vu ça aussi Twitter. Sur Twitter. Ah comme de par hasard. T'es bah comme quoi. Oh en vrai c'est plutôt joli. Mais c'est comme le Minecraft. Mais c'est pas ouais, comme les Minecraft, autres là. Lego. Attends par contre. Bah Pota si, on dirait. En fait. Ouais. On dirait comme genre les anciens là. Mais l'univers est entièrement Lego comparé. Moi j'ai joué à celui Star Wars que Tibro n'a jamais fini, je rappelle. En fait, il y a beaucoup d'heures en plus. Et moi je regardais oui, parce Pota que Tibro à chaque fois il m'en parlait, il m'a dit ça arrive classique. Et quand je vais y jouer, ça va être classique. Je vais jouer 10 minutes.
Tibro, toi aussi, dis-moi, rassure-moi, il te reste des grosses pièces noires? Non, aucune. Attendez, j'ai un doute là dans le chat, il y a un Lego Jurassic Park ou pas qui existe? Bien, ouais. Ah ouais, je crois, Hugo. Ok. Un souvenir. Le putain. Peut-être j'en cherche un. Ouais, ça existe, ok. Et... Alors, tu veux dire en jeu ou en. Bah, en jeu, parce que du coup, moi j'aime beaucoup Jurassic Park, jeu, mais ça me dirait bien d'y jouer. Ouais, j'avoue qu'ils mettent du gameplay du Jurassic. Oh, ce serait un classique. Bah, on l'avait vu. C'était... Non, c'était pas l'été dernier, je crois, c'était décembre. Ouais, c'était décembre. Ça date, ouais. Bah, c'est pas si vieux, justement. Moi, je pense qu'on va encore attendre pour le voir. Je pense qu'il y a pas tant de chances qu'on le voit même. C'est ce que je disais, Pota, là, le jeu là que t'aimais bien aussi, là, moche, là. Crimson Desert, là, peut-être qu'on peut le revoir. Bah, de toute façon, ils sont jamais moches, hein, les Lego, genre. Ah là, ouais, les effets de lumière sont vraiment stylés. Ce qui est moche, c'est tout l'arbre. Ce qui est moche, genre, c'est tout l'arbre de Tibro. Tu m'as parlé, Terra ? De la grand-mère. Ouais, non, à l'arrière-grand-père, c'est dégueulasse, hein, visuellement. Merci à tous, je vous envoie chez Hugo. Ça sale tronche. Merci, Terra. T'as entendu, Tibro, j'étais en train d'insulter ta famille sur des. Sur des générations. Pota, d'habitude, tu sais, ils font tout le paysage, ils le font en. Merci à tous. Et en cube et tout, ils le font pas en Lego, d'habitude. Genre là, tout le paysage est en Lego. Ciao aussi. Mais moi, je me rappelle, le seul auquel j'avais beaucoup joué à l'ancienne, c'était le Star Wars sur PS2 et Harry Potter. Non, Seigneur des Anneaux. Non, mais. Il n'y a plus l'anecdote, Hugo. Mais non, mais c'est pour dire qu'à l'époque, c'était incroyable. Déjà très très beau. Tu n'as pas joué fait Indiana Jones. Ah non, mais Indiana Jones Lego, le classique. Pas fait. Attends, Tibro, il rare pas la con. C'était sur quoi Indiana Jones, Jean? Sur quel console? Ah, sur PC. Il y avait sur PC. C'est Blade Runner. Regarde, Pota. Oh, c'est joli. Avant, enfin là j'ai repris celui sur. Oh, me dis pas que c'est un Slender par contre. Hein. On en a marre des jeux comme ça. Sur Lego, hein. T'as vu tout le décor, il est. Ah, François Hardy, genre, c'est un mec qui lit mal. Ah, c'est forcément que d'accord, j'allais parler de. Alors que là sur Horizon Zero, tout est en Lego derrière. Oh, en fait, c'est pas si beau que c'est ça. Vrai, là. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Quoi ce truc? C'est pas très beau, effectivement, on dirait Left 4 Dead encore. Non. Ah oh, putain, ou d'ailleurs, ça m'en fait penser à Back 4 Blood. Le... Oh là, mais c'est pas. Bah, c'est ça, non? Qui s'en rappelle du Walking Dead? Oh la bouse infâme de merde. Lequel? Celui que j'avais testé là, sur PS5. C'est quoi? C'est pas un... Oh l'immondice à la fiasse. Mais c'est attends, Terra, t'avais pas une OP toi sur le jeu Walking Dead qui était fait par... Ah oui, c'est... oui, y a ça aussi. On dirait un lèvre. Ça rappelle des trucs que t'avais oublié au cas où. Terra, c'était bien les mecs qui avaient fait oui, ça Payday, que non un genre de... Et ils avaient fait un jeu Walking Dead. Fallait survivre à des vagues de trucs. Je m'en souviens de ça. Je crois que c'était bien pourri ce truc là. Ouais, c'était de la merde. À Star Wars Unleashed sur PSP. Unleashed. Mais ouais, pas sur PSP, sur, mais sur PS2. Xbox 360, moi j'ai fait. Ouais, il était vraiment pas mal. Ouais. Attends, du coup, j'ai pas suivi. Bonne c'est quoi ça? Mais c'est 7 Days to Die. Contre, Hugo, il y a une. Hugo, il y a une PSP qui ressort, ça marche pas du tout. Hein. Ouais, bah, moi c'est ce que je disais, je crois qu'on en parlait avec Théo l'autre fois. C'est un truc nostalgique, mais jamais. moi Pota, moi ce qui me casse les couilles sur les consoles portables qui sortent, c'est qu'en fait elles sortent pour. Elles font. Enfin. Elles sortent, mais pour faire tourner les jeux qui existent déjà. Il n'y a plus d'exclus. Genre, il n'y a pas d'exclus pour. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux mais faire déjà, c'était des jeux différents en plus sur PSP. Bah ouais, mais c'est ça qui était trop bien. Genre, il y avait les Pursuit Force, les Lumines, les. Comment ça s'appelle Non, mais même c'est Monster Hunter. Plus de quotidien. Hugo, je vois pas les gens sortir leur PSP. Ouais, oui, je suis d'accord. Ça n'existe plus, ça. Ou alors, s'ils font un truc. Il y a des rumeurs comme quoi c'est plus ou moins dans les cartons, mais s'ils font un truc comme la Switch qui se branche en HDMI, je me dis bah c'est le bon plan quoi. Parce que le Steam Deck, comment tu peux le brancher gens, sur ta télé. Ils sont et tout. Hype par la nostalgie, mais en vrai c'est quoi la différence entre ça et une PS5 au final? Comment ça? Bah il y en a un que tu peux mettre dans ta poche quoi. Oui, mais même si tu la branches sur ton écran, ça reste la même chose qu'une PS5 au final. Bah non, tu vois, c'est comme une Switch. L'avantage à avoir, c'est que tu pouvais jouer n'importe où, mais ouais, avec un truc qui marche plus quoi. Okay, bah, même tu vois le succès de la Switch, faut pas se leurrer. Enfin, t'as des gens, ils ont acheté la Switch, mais ils y jouent 100% en deck, et d'autres, ils jouent 100% en portable. J'ai jamais sorti la Switch dans le train, ou je sais pas quoi. Ah, moi non plus. Si. C'est pour ça qu'ils ont sorti la Lite, hein. Mais c'est quoi cette merde? Ça a l'air d'être une catastrophe. Oh, Pota, arrête de parler, parce que je sais pas avoir un... Ils ont pas mis le Quidditch dans le jeu original, là, ils le mettent hors du jeu. C'est ce que j'allais dire. Oh putain, on va y jouer. Un club pro Quidditch. Mais attends, je me tourne vers le chat, mais ils avaient pas prévu un. Pour grosse couille. Ils avaient pas prévu un DLC Quidditch d'ailleurs dans le jeu. Je m'en rappelle plus. Mais eux, je sais pas ce qui s'est passé avec les devs, mais. Non. Ça a l'air bizarre leur histoire. Mais toujours une canasse, mais aucune date. Et du coup, le DLC sera pas multijoueur, c'est ça? Parce que c'est de la merde. Il y a tellement plus aucun buzz, n'empêche. Mais t'as vu comme il a disparu?
Ah ouais, ouais, complet. Bah parce après, que le souci, c'est. Ouais, c'était un jeu solo, donc, voilà. Dans tous les cas, il va mourir. Oui, vraiment, bon. Bah c'est comme Dragon's Dogma, tu vois, il est pas resté Dragon longtemps dans les. On en a parlé un peu, genre. Ouais, parce qu'on était là, à fond dedans. Encore. Mais tu l'as pas vu longtemps non, sur Twitch. Il l'affiche encore. Et tu vas pas me comparer au Gwart et Dragon Dogma quand même. Bah à part Bob Lennon, j'ai pas vu quelqu'un jouer longtemps à Hogwarts Legacy quoi. Bah, franchement, j'y ai joué mais c'est ce qu'on dit. On se faisait vraiment chier de fou. Ah, la découverte, ouais, c'était Grim, technique. Grim, il a surkiffé, il m'a dit. Bah Grim, il a fait 8 streams, ouais, complètement starbé. En plus, il arrêtait pas de dire qu'il aimait pas. Non mais c'est bon. Mais c'est mon nouvel arc, c'est mon nouvel arc. J'aime pas, mais je continue pour voir. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain, j'adore ! C'est Gambit 2 ! Ah, ça y est, c'est les jeux complètement what the fuck là. Non, mais c'est une vidéo de Mr Beast ça ! Peut-être en multi-cédro, j'en sais rien. C'est quoi, faut tous s'échapper ? Faites pas tomber le savon dans les toilettes, hein, parce que. Oh là là. Bah, sinon, c'est moi qui l'aide. Sinon, c'est moi qui va. Pas le dire. Sinon, c'est. Sinon, j'appelle la fleuriste. L'enculeriste. Enculares. Enculariste. Attends, mais c'est quoi ce jeu de fou par contre c'est un escape game. Ça peut être pas mal en vrai. C'est des en vrai, de toute façon, les gardiens. Tous les trucs comme ça, c'est le temps d'une soirée, 2, 3, 4 soirées même. Et puis après, voilà. Mais il y avait un jeu qui avait l'air trop bien, et au final, quand on a testé, il était nul. Je sais pas si vous vous souvenez. Truc de coop. Tout le monde est dans un temple en coop, et on devait récupérer un trésor et s'échapper avec des pièges. Avec les lassos là. À jouer, c'était trop nul. Mais je crois qu'en fait, Terra, on y a joué trop tôt parce que c'était vraiment Early Access et apparemment le jeu final il est bien là. Mais. Ah. C'est ici la vidéo ? C'est ici, ouais. Ça va aller, hein, Diego. Oh. Diego, il y aura pas GTA 6, hein. Non, mais attends, mais il y aura pas de jeu où on croque des tomates à pleine dent comme si c'était des pommes. Mais après. Ah, mais ça peut être bien ce truc, hein. Ouais, mais tu joues pourquoi ? Parce qu'il y a l'air d'avoir un échappatoire là. Bah après à voir hein, parce que t'as vu là pour le moment ils ont fait échappatoire par tunnel donc peut-être qu'il y en a plusieurs et que là ils montent pas tout hein. Bah attends je comprends pas, c'est deux teams de prisonniers qui s'attaquent, je comprends pas. C'est un ça a l'air d'être ça, c'est pas mal. Ils se trahissent au bout d'un moment. D'accord. Pourquoi pas. J'ai vu de la Genja. Moi je dis pourquoi not pas. Bad. Not bad. Attends mais c'est en VR. Cuff bust. 2025, maybe. Ok, d'accord, bon. Je rappelle... Même lui, c'est pas quoi dire. Bon bah, putain. Je rappelle, hein, pour diffuser un trailer d'une minute, le Summer Game Fest, c'est combien ? 150 000 ou 250 000, je m'en rappelle plus. Ah ouais, mais la vache, ta gueule, ils ont pris de la drogue sur la fin de la vidéo. Ah, tiens ! Outlook. Ah, j'espère qu'il sera quand même bien celui-ci, tiens. Outlook. Bah, on avait vu du gameplay, non ? Attends, mais on dit ouais, mais... le gameplay... Toujours faire gaffe au début. Ubisoft. Ah mais franchement, bah, Pota et Terra, vous y avez joué. Avatar, bon, c'était pas un grand jeu, ouais. Mais par contre, il est magnifique. Ah par contre, c'était super. Hein, super beau. Moi, j'ai pris quand même du plaisir sur Avatar. Si Outlaws, il est aussi beau. J'ai réagi rapidement sur Avatar, mais c'était très beau. Ah, j'ai pas joué longtemps non plus. Déjà là, c'est joli. Mais c'est pas l'actrice qui joue dans. Ah, non, après, l'univers d'Avatar n'a pas non plus une sève profonde non plus. Quoi. Écoutez-le là. Enculares. Ah mais s'il y a un petit délire avec les villes, ouah ouais quand même c'est pas mal. Ah non, hein, c'est sexy hein. Ah regarde, tu vois, t'as Jabba, t'as des... Ouh. Ouh. Oh si tu peux conduire les vaisseaux aussi, c'est pas mal ça. Ah mais oui, on l'avait vu, je suis con. Quand Tibro il va y jouer, ça va être un pur classique, il va jamais le lancer. Allez hop, bouquet de fleurs, tulipes. Et c'est un jeu solo ou... Ouais c'est solo, ouais. Ah ouais, c'est vraiment joli hein. Je préfère les jeux solo. Ah ouais, ils se débrouillent en jeu solo hein, de ce côté-là. Ah du coup on le verra lundi, ok. Aug 30. Allez, pourquoi pas. Ah, bah c'est ils dans ont pas longtemps. Beaucoup de budget, hein, ça a duré 4 secondes. Eh oui, ils ont payé 5 euros. Cuff Bust était 150 minutes. Par les créateurs de Skull and Bones. Ah, la débandade. L'exceptionnalissime. Le grandiose X-Effrayant. Mais tu sais, Terra, qu'ils refont encore des OP dessus. Hein. Genre, quoi ils, font, ils refont des OP dessus pour que le jeu il se vende un peu plus. Hein. Attends, mais arrêtez. Lâchez. Ça va marcher du tonnerre, je pense. C'est comme réanimer. Mais... grand-mère de 105 ans, genre stop. Eh, hey, mamie, mon arrière-grand-mère, si je la ressuscite, peut-être qu'elle aura encore oublié que je suis son petit-fils. Hein. Alors attention. Skull and Bones, c'est 300 viewers mignon, hein, actuellement. Hein. Il est mignon, le petit enculares. Vache. Ah, Gris, c'était joli. Là, il y a 300 viewers. Mmh. Bah, sur. Sur le jeu, au global. Ouais, ouais. C'est dingue. Putain, c'est pas mal. Et j'avoue quand que le petit jeu, t'avais dit ça tout à l'heure, Pota, mais c'était pas ça là. Blade Runner, j'aimerais bien en revoir là.
Un truc, parce que mine de rien, le jeu Robocop, il était joli aussi quand j'y pense. Tu l'avais fini toi, Robocop? Bah, Pota, il avait joué, je crois. J'avais beaucoup aimé le côté vintage du gameplay. Ouais, voilà, ça faisait un peu vieux jeu, ouais. Non, mais même dans l'espèce de. Pas besoin de me faire chier avec 300 touches là. Ouais, je me rappelle, j'ai toujours sympa, préféré les jeux à gameplay. Désolé, hein. Désolé. Hein. Bah, les jeux narratifs, le fait est que. Des fois, quand t'es en stream, comme tu essaies d'interagir quand même avec les gens, tu peux passer facilement à côté de trucs. Ouais, mais ça, franchement, je peux plus y jouer. Hein. Genre les jeux comme. Bah, tout ce que font. Ce que fait David Cage, là, les jeux comme ça, les Walking Dead, tout ça, je peux plus. Hein. Alors, moi, je peux, mais en solo. Mais le dernier que vous aviez fait, ouais, Terra, tu m'avais dit que c'était pas fou là, dans l'espace là. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais même plus comment il s'appelle. Comment il s'appelait, Terra? J'ai oublié le nom aussi. The Expanse, je crois. Peut-être, ouais. Mais en tout cas, c'était joli, mais c'était chiant, non? Ouais, c'est ça, The Expanse. Ouais, mais pour le coup, les The Walking Dead sont vraiment bien de la série. Ouais, mais c'est dans son jus quand même, ça date. Il a l'air super beau ce jeu, mais j'ai pas envie de le lancer. C'est encore pas mal, franchement. Je m'en fous de ce jeu, Jean. Ouais, tu l'as fait il y a pas longtemps, Thibaut. Je le dis clairement. Ouais. Attends, mais pota, c'est cool, hein. T'en as rien à branler. Ouais. Fuck. Baroque. Accélère, Geoff. C'est comme j'ai pas toute la soirée. Ah, The Walking Dead. Oh oh. Dune. Ah, peut-être le MMO Dune, ouais. Ah non, ou alors Civilization 7. Hein. Bah, ça, par contre, je suis pas client. Hein. Attends, j'entends rien, je monte un peu. Ah bah. Je vois pas ce que c'est. Bah, je l'ai dit, hein. Dune, tu penses? Bon, non, je te dis, hein, Civilization. Hein. Bah, ouais, on dirait, hein. Ah. Pas la peine de s'énerver, hein. Civ 7, j'ai jamais joué c'est à grave, Civilization. Diego, hein. C'est je pas grave, que j'avais lancé une fois Civilization et je me suis. J'ai rien compris au jeu, hein. Tu sais, t'as commencé à. Ah, mais attends, mais. Mais dis quoi, Jean? Existe. Je vais bah, Civilization, non, mais j'ai lancé une fois et je comprends rien du tout. C'est bon aussi, on y joue plus, enfin. Est-ce que vous aviez testé le jeu en mode Age of Empires, mais c'était le Seigneur des Anneaux? C'était un classique. Mais ça je l'avais sur Xbox 360. C'était des combats en mode Age of Empires, mais c'était Seigneur des Anneaux. Il était trop bien. Tu pouvais avoir contrôle qu'à ta quête classique. C'est des jeux de gestion, ils me font toujours des trailers de fou en 3D. Ouais, c'est alors que c'est... le gameplay, bon bah en fait, je sais pas, j'ai jamais su si c'était vraiment niche ces jeux-là parce que. Ils ont besoin de hype. Bah, c'est les super beau. Dame Evelyn alors. Dame Evelyn, comment il s'appelle le jeu de. Sire déjà, en Corée, c'est ultra populaire les RTS. Dame Evelyn, quand il va jouer. On va créer une dictature. Une petite dictature. Dictature belge. Kakashi, tu peux arrêter s'il te plaît? Alors, va fermer les frontières de ce côté-là. Attends, pota. Ah, mais oui, c'était en décembre, t'avais mis l'image là. Genesia et Starfield. Ça, c'est du montage. Désolé, mais bon. Les mecs, le jeu de Sir Thomas, au-dessus de tout ce qu'on a vu pour l'instant, hein, désolé. C'est quoi? Mon vieux va prendre ta tisane là pour te chier. C'est un avant-goût. C'est Civilization, hein. Bon, il va canner avant la sortie du jeu, hein. Le pauvre. Merde! Mort au cultura devant les cartes, mon cul! Retrouvez-moi à Korra! Désolé, c'est mon chat, il gratte sa litière. À Korra! Ah, jeu fourmi. Ah, c'est Wukong. Ah putain, c'est joli ça. Non, par Wolong. C'est pas. Attends, c'est Wolong. Non, Wolong, c'est un autre jeu. Ça, c'est Black Myth Wukong. Wukong. Black Myth Wukong. Ah bah, Wukong, tu vas voir, ça a l'air d'être très très beau. Like, mais ils veulent pas que ce soit un Souls-like, mais un peu quand même. Mais c'est pas. Bon, ça va être Souls-like, hein, Diego. Hein. Oui, bah, je sais bien. Moi, ça vient simple. D'où Wukong? Bah, c'est Dieu du soleil en Chine. Ouais, voilà, en Chine. En Chine, non? Ok. Ouais, bah, merci. Je pensais que c'était un gorille. Non, c'est un singe. Un singe. Il est dans tous les MOBA, Wukong. Tu le vois partout. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un screen Winston. D'ailleurs, c'est lui qui inspire Sangoku pour la... Très bien dit, ça. Le manga. Mais remontrez-nous du gameplay, là, s'il vous plaît, parce que le jeu, il est beau. Hein. Eh, juste pour dire, il ressemble pas du tout à Sangoku. Arter qui revient avec une anecdote dont tout le monde se branle, c'est grave. Wow. Attends, il va vraiment se battre contre ces mecs, là. La merde. Il a un coton-tige. Ah non, vache, c'est le bâton magique. Attends, par contre, ah putain, du mais c'est vrai que c'est en août ça. Du coup, on a ça plus Star Wars. Eh ben putain. Attends, attends, c'est bientôt. Ça sort en août et ils nous mettent même pas de gameplay. Attends, c'est ouf, c'est vrai. C'est on a déjà vu plein de gameplay. Hein. Ouais. Ah, moi j'en veux encore. Et à si proche. La date, hein. À moins de De quoi, Damien? Oh oh. Ça, c'est du money laundering. Ça va vraiment sortir en août, quoi. Ah, mais ça fait longtemps qu'on l'a vu la première fois le jeu. Ouais, mais c'est étonnant parce que là, on voit pas de gameplay.
Alors que. En fait, ils en ont montré plein avant là, je pense qu'ils font juste un trailer pour rappeler la date. C'est quoi ces notes? C'est ce PSVR! The best VR game ever made, bah putain, permets-moi d'en douter. Non, alors là, je. Attends, mais c'est dingue ce jeu, il m'a l'air sans ça. Masterpiece. Masterclass. J'ai eu. J'ai littéralement une saucisse au fromage. J'ai filé mon ancien casque à Pota. Bon, bah, il a envie de vomir quand il y joue, donc bon. Tant pis. J'ai pas réessayé, mais faut que. Faut te forcer. Sexy. Attends, oh putain, moi j'aimerais bien revoir le jeu de Bungie là, qui était hyper coloré là, c'était joli, marathon. Ah Bungie oui. Bungie Jumping. Mec, c'est de suivre la conve. Ah oui, oui, bah oui lui. Bah, sa femme est fleuriste je crois. Ta gueule Kibro. Oh. Désolé, il ouvre trop sa gueule là, tout à l'heure. Kibro pendant ce temps là, allez, Lego, hop, c'est attends, parti. Mais c'est moi ou c'est Lego moi, DSK pour ma part. J'ai l'impression Kibro pendant ce temps là, ouh, c'est quoi ce classique? Pendant 8 mois. C'est normal qu'il soit dégueulasse le feed visuel là. Non mais je pense que c'est parce qu'en fait la définition elle est trop haute et il a du mal à compresser. Je peux baisser si tu veux. Bah non mais c'est pas ça, mais c'est que... Je mets 1440p mais... Ah ça a l'air... Bah je sais pas, c'est peut-être un petit peu plus beau quand même. Je sais pas si ça change quelque chose mais... Bon, ça a l'air bien hein. Ah, ça a changé. C'est toujours moche. Attends mais... Ah, mais oh ça me fait penser au jeu Terra qu'on avait testé là... C'est un quoi pas Remnant non c'est quoi, pas ça Remnant. Ah Remnant ah, c'était pas trop mal hein. Il est bien Remnant. C'est le 2 vous avez fait vous. Le 2 ouais on avait joué un peu. C'est pas trop mal hein. Et t'as pas pu y jouer moi, c'est vrai qu'on en a envie. Garfield NBA 2. C'est Xbox, c'est quoi ça? Ah c'est Luna ça. Samsung Gaming. C'est le truc de streaming de jeux de Amazon. Salope si mon avis Hugo. Bon bah écoute. Je prends, je garde. Oh Quiplash. Ouais Jackbox. Hot Wheels. Voilà. Oh Biomutant, quelle merde. Eh bon, oh, du donc. Génial. Ta gueule. Focus. Oh putain. C'est le... Oh celui-là il a l'air incroyable le Space Marine là. Ça j'avoue, par contre c'est que à 3. Pourquoi ils ont pas mis plus? Oh. Bah ça vous faites 2, ça vous faites 4, vous faites pas 3. Bah, non mais regarde la beauté du machin là. Ah je attends, sais. Imagine t'as 4 potes, t'as 3 potes et y'en a un seul qui peut pas jouer. L'horreur. Oh lolo. Alors ça par contre... Non par contre ça a l'air sexy à ce mec. Genre d'avoir plus de 3 potes. J'ose pas y croire. Je t'ai dit direct. Attends, pas la peine de s'énerver comme ça. Fuck. Bah si, parce que ça me casse les couilles. Go. Ah bah merci ouais, Geoff. Warhammer c'est vraiment le truc où je vais me régaler le fion. Et Geoff il reste debout tout le long en regardant hein. T'as pas joué à Darktide du coup Terra? Tu te fous de ma gueule Terra ou quoi? Si j'ai joué à Darktide, quoi que c'est. Je joue pas à Warhammer. Bah lui il a peint des figurines toute sa vie donc Ah ouais. Non. J'ai quand même des armées d'ultramarine et de décro. Il réécrit son histoire. Et c'est quoi la différence avec Helldivers? Je suis piquant. Monsieur Kojima? C'est Warhammer. Ah non. Ah, bah. Parce qu'il est fringué oh, comme raciste. Lui. Non mais il est fringué oh, comme lui, pardon. Oh la vache. Oh. Vas-y. Raciste de merde. Alors que bah, c'est pas... vraiment pas lui, c'est Shigenori Soejima, putain. Non mais ah, il a des lunettes et il a la même veste, et c'est bon les gars. Oui non mais il y a Jima en plus. Voilà. Je suis avec toi Hugo. Merci Jean, merci de me défendre mon avocat. La métaphore on l'a déjà vu, ça nous intéresse pas hein. Il pourrait parler anglais quand même, hein, ouais, le mec con. En attendant, samouraï derrière hein, et destroyer. Ah mais c'est pas les devs de Persona ça? Ah, on dirait bien du Persona. T'as ouais. Testé toi Jean? Persona like. Ouais, c'est pas mon style de jeu 5, mais. J'ai essayé et honnêtement, c'est très. En fait, c'est tellement lent. Je pense que c'est un truc que tu peux le faire sur ton canapé, mais. Non mais surtout que je m'étais renseigné un peu sur la série de jeux. Il y en a un milliard hein, quand même. Hein. Je sais pas bah, si. J'adore la musique, mais le gameplay, c'est pas ça. Hein. Bah, c'est du tour par tour, hein, ma vie. Moi qui aime tant la nature, je fais des hydrocarbures. T'es leur souffrant d'instant. Ah. Thibaut, regarde là. Tu vas la laisser, cette Taylor Swift? Moi, j'aime pas. Hein. Sincèrement, ça me fait pas rire les blagues sur Taylor Swift. Je vais me faire taper sur les doigts. Attention, hein. Je vais me faire taper sur les hanches. Swiftie ici. Il rentrera pas. Ça a l'air bien pourri les trois devs là. On peut voir autre chose s'il vous plaît là. Vous donc... avez perdu votre temps, les gars. Ils ont payé 500 000 balles. Oh, ça me rappelle Terra. Quoi? Tu te rappelles quand on avait regardé on était à l'E3, on avait fait la conférence Xbox
et qu'il y avait le mec qui arrive au début et il fait I always wanted to make a game with Dragoon, so here is my game with Dragoon. I love Dragoon. I love Dragoon, so I wanted game with Dragoon. Here is my Dragoon game. For you. Bon bah jamais sorti le jeu. Ah il était jamais sorti ? Ah il a été annulé je crois 2 ans après. Le mec du milieu est complètement bourré. Je sais même plus comment il s'appelait. Hey, alors j'ai rajouté aussi des fameux poils dans le jeu mais on monte qu'à la fin du gameplay. On peut soulever la vie. Oh il était dur la phrase à sortir là. Bah attends mais c'est de l'humour Hugo. Ah bah ouais non mais je peux comprendre ton point de vue, y'a aucun souci. Et alors, possible de viser sa mère dans le jeu, hein. On peut passer à autre chose. Ils ont payé 500 000 balles, là. Suivant, hein. J'avoue, là, ça fait 5 minutes. Par contre, ça m'étonne qu'il n'y ait pas un jeu qui existe où ce soit full animé comme ça, là. À part Dragon Ball FighterZ. Et c'est maintenant, Hugo. Et le voici. Ah, c'est pas un jeu. Mais si, c'est un jeu, mais. Fallait parler, les trois, fallait pas se bourrer la gueule sur le plateau. C'est juste qu'il y a cinématique, mais bon. Oh le coup de fouet à Geoff. C'est tellement fort. Il a l'air décidé à le faire sortir de chez lui là, putain. Une belle brochette d'antisémite. Non mais... Après il y a... Alors qu'est-ce qui se passe sur ces... Ah il essaye de défendre parce que c'est japonais mais genre mais c'est mort. Oh bah au moins ça c'est dit. Eh hey, ils applaudissaient fort quand même. Il nous manque Théo pour faire le suceur. Théo il aurait dit oh là là mais je le trouve non, dur quand même. Non c'est pas. Non après c'est pas mal le. Eh ben moi je dis oui. Bah moi je dis oui. C'est l'année dernière sa voiture Pokémon là où je suis plus. Ouais, il y avait Pokémon et il y avait 5 pubs comment ça s'appelle? C'est qu'il a écrasé des gosses avec. Il y avait 5 pubs Genshin Impact. Ah putain, mais Dokevi, je crois que bah on l'a pas revu depuis en fait. On l'a vu il y a 3 ans. Détournement de trucs. Encore des trucs pour l'argent. Comment ça s'appelle? Blanchiment d'argent. Oh, c'est pas vrai. C'est quoi, comme Michou, hein. Michou qui blanchit son argent dans le restaurant, c'est grave. Hein? D'ici. Bon bah alors là, Théo aussi était dans le local. Batman versus Joker. C'est Batman de DC. Mais non, Hugo, c'est pas Marvel. Il déteste DC, c'est ses ennemis. Ah putain, le con. Wow. C'est Gotham là, c'est j'ai dit Batman, non? Oui, c'est ça. Ouais, ça, c'est joli, ouais. Mais oui, mais vous êtes mignon, c'est... On s'en fout, c'est généré. C'est... Ouais, c'est cinématique. Ouais, laisse-nous être heureux, what the fuck, mec. Bah, ça va, on se fait avoir par les petites cinématiques, et après on voit. Et après, on déborde quand c'est le jeu. Let the pegging session begin. Hey, tu fais quoi? De toute façon, Pota, c'est un jeu auquel tu pourras pas jouer, puisque c'est un jeu VR. Ah, putain, Pota, quand on lui a apporté une directe éréméré, il a été voir le patron comme ça. Mais attends, mais Hugo, un jeu Batman en VR. Vous toucherez pas, on te tuera. Tu vas faire quoi dans un jeu Batman VR là? Bah, du coup de poing. Je sais pas. On fait des battes. Mais évidemment qu'il n'y a pas de gameplay puisque ça, c'est annoncé pour 2811 là. Bon. Ça se trouve, Pota il a eu mal à la tête parce qu'il a regardé du porno en VR, hein. On n'en sait rien. Et Wukong, ouais. On a déjà eu du gameplay. Absolument pas. Ouais, mais j'en veux encore. Attends, pourquoi t'as pas plus de gameplay à l'approche du jeu? Moi, Batman, quand je vais te sauter d'une tour. Oh là, ça c'est. Attends, mais on dirait Star Fox. On dirait de... Star Fox. Ah non, mais j'ai cru que c'était. Bonjour, nouvel Gundam. Album non, de Damso, je vous l'annonce. On vous présente la nouvelle chanson de Théodore, c'est parti, on va évoluer la musique. Ouais. Ah! C'est Dragon Ball. On aurait dit le logo de Zion. Ah, truc de Gundam. Bah ouais, regarde. Let's get out. Zion, mais ça c'est Dragon Ball ou c'est autre chose? Ah non, ça c'est Zion. Ah mais c'est Jojo, non? Jojo's OMG. Bah, on dirait pas, on dirait pas. Ah, non, c'est pas. Bah je pense, ouais, il y en avait déjà eu un qui était sorti. Et ça avait... Ah mais non, c'est Street. Street of Rage. Comme ça là? Ouais, Street of Rage, c'est ce que j'allais dire. Street Fighter 6. Ouais, c'est exactement ça. Mais attends, mais si, ça c'est Street of Rage lui. Mais non, c'est Street Fighter. Ah oui, lui c'est Ken de Fatal Fury. C'est exactement ça. Ah Terry, pardon. Terry Bogard. Tu m'entends, c'est vraiment ça. Si, ouais, j'ai entendu la première fois. T'as dit quoi?
Attends, tu peux répéter ce que je disais, que c'était vraiment c'est Sweet Bro, genre. C'est Sweet Bro. Tibro, si on te fait chier pendant que t'es en train de faire des bouquets, tu nous le dis tout de suite. Hein. Ah, c'est pas très bon. Eh, Tibro qui se touche la jonquille pendant le stream. La jonquille. Street Fighter 6. Eh, Tibro qui lâche de son pistil, putain. Mais ça a l'air d'être un DLC, ça c'est tout. Je suis une abeille, ma chérie. Je vais te butiner, ma belle. Monsieur Bison. Oh non, Bison. C'est Monsieur Pichon. Sagat. Et c'est à ce moment-là que Monsieur Pichon. D'ailleurs, le film d'animation Street Fighter 2, super. Film d'animation. Non, c'est un des plus ratés de la saga. Et alors, il est en 3D. Il est non en 2D justement, mais les musiques sont très cool. Le scénario est pas fou, mais. Et c'est récent ou c'est un vieux truc top. Ah non, c'est vieux. Ah, c'est un vieux truc. Et c'est assez bof. Bon, you are dumb or what? Ça veut rien dire. Hein. Bro, suck my cock. Ah, là on comprend. Ah, Dragoon. Dragon Meteor. Ah, une météorite, comme on en parle. Attention les woke. Les frères Scott. Oula. Totally accurate. Nouveau jeu Walkie là. Eh non, c'est Braveheart. Alors, on a gardé le secret. Braveheart, le film. Hein. Oula. Tears of Metal. Ah, non, Metal. C'est pas le truc avec le mec qui vient du futur. Ah non. Ah, ça a pas l'air. Hein. Ouais, oui, c'est des Écossais. Alors, bah attends, tu parles genre du jeu où tu tues des guerriers médiévaux avec des AK là, C'est sorti ça? Non, ça a juste été annoncé. C'est déjà ça se fera chez One Kill ça. Ah bah juste il s'appelle Thomas le mec. Link a déjà mis ça dans sa liste de souhaits pour vous, Link et Terra. Il a une liste pour les deux. Tout ça pour que minuit Terra revienne vocal, ça pue bien la merde. Ah la vache. Ah bah putain, on les a je me bien suis pas amusé. Fumé, hein. Les viewers, hein. J'ai dit que c'était le jeu de Link parce que j'assumais pas. C'est Link qui a trouvé l'OP, pas moi. Oh. Non mais par contre c'est pas moche. Bah moi le côté dessin sur de la 3D j'aime pas moi mais. Oh là là. C'est sympa en vrai. Et le cel shading mais... alors. Mais je pense que c'est très répétitif là ce truc. Oh là, roguelike coop. Bon. Roguelike. Bon bah moins 250 000 € sur le compte pour ce studio. Bah faut voir l'émission quoi. Alors ça te fait rire. Unreal Engine. Unreal Engine, Robocop 2. Ouh oh Goku. Fortnite. Mais ça va Goku, vas-y on a compris ah Goku, non, c'est bon meurt au bout d'un moment. Non, c'est Budokai Tenkashi la prochaine là. Mais laisse, passe l'arme Goku, passe l'arme. Moi ça je suis désolé mais c'est pas aussi beau que Fighters. Mais en vrai de vrai Oui. Wow. J'ai rien à dire. Lambda. Mais en vrai de vrai. Non mais quand il pense pota. Non mais non mais pour moi il doit prendre sa retraite, c'est bon. On l'a trop vu ce mec hein. Eh hey, lâche le steak. Ça rendra heureux Sofiane le geek, franchement bravo. Mais là. Mais après, humain bizarre. C'est juste pour la. Il va juste y avoir une scène compétitive, mais le jeu il va pas durer longtemps, non? Jean, remets un petit coup de Asuka Dance là, je sais pas quoi là. Je l'ai mis ce live chat tout à l'heure. Tu la télécharges et tu la remets un petit coup là live chat. Danse à la Katsuki. Attends, je te conseille de la fermer, chez moi, parce que là on est en live. Merci. Ah merde. Merci de le préciser, pota. Il m'énerve ce mec. Ah putain. Putain. Bah, je suis désolé, je trouve ça pas très joli. On dirait Kakarot, y'a rien qu'à changer. Du jeu est revu. Putain, non, j'avais oublié que Kakarot existait quand même. Hein. Chier là. Ouais, bon, j'aime Goku. Il s'est bien vendu, je crois, en plus. Hein. Bah, je crois qu'il était pas trop mal vu que ça changeait un peu. Voilà. Danse à la Katsuki, bine la Katsuki. Et l'un que deux. Danse à la Katsuki, bine la Katsuki. Danse à la Katsuki, bine la Katsuki. L'un que deux. Ah, je suis désolé, mais bon. Je suis désolé, mais. Ah, le l'un que deux, il est fort. Danse à la Katsuki. Danse à la Katsuki. Oh là, c'est un Call of Duty ça. C'est ah bah merci. Ça va être encore c'est un ça, jeu. R7. Oh, alors impossible. Impossible. Jeu stratégie. Non. XCOM. Moi, c'est impossible Tom Clancy. Ils ont fait c'est une mise à jour pour le truc. Mais c'est vrai qu'on dirait un truc de stratégie. Imagine, genre, ils annoncent Rainbow Seven Siege. Ah, bon, alors là. Ce serait un peu con de continuer à faire des mises à jour. Ils auraient dû. Bah, il a pris sérieux. Bon. Bah, ouais, non, mais moi, j'aimerais bien une suite au truc. Ah, mais c'est un FPS. Ah, mais ça, il l'avait pas annoncé en live. On l'a très vite lâché, Terra Greyzone, au fait. Hein.
Bah, j'ai pensé la dernière fois et je me suis dit là j'ai la flemme d'y retourner. Ouais, moi aussi. Non, mais déjà le jeu est très mal optimisé, ça c'est dommage parce que tu peux pas attirer autant de gens. S'il y a des hommes politiques d'extrême droite, jouez-y maintenant, hein. Vous pourrez vous faire 30% facile. Voilà. Envoyez des messages aux gens sur les lobbies. Si dans 6 mois Tibro se présente, vous saurez pourquoi. Ouais, c'est pas très très moche, mais c'est quoi? Non, c'est déjà vu quoi. C'est un truc d'extract aussi. Ouais, c'est différent aussi de tout ce qu'on voit ailleurs, tu vois. Le truc, c'est que c'est ça, c'est que c'est. Oh, il a des pouvoirs! Ouais, mais on envoie 1 milliard des jeux comme ça maintenant dans le bon. Bah ouais, non, en ce moment, c'est que ça, j'en ai revu en autre là. Faites-moi un jeu où je tue Tibro, un truc du genre quoi. Il y avait pas eu un truc Arena qui était sorti là il y a pas longtemps? Genre fracassé, genre un simulateur. Arena Breakout. Tabassage de Tibro, ouais, mec c'est psychopathe. Eh c'est clair. Eh un jeu où on simule un spermatozoïde qui sort des couilles. Oh, une course au sperme, un jeu course au sperme. Mais au moins ce serait sans ça. Ah bah attends, Jean, pourquoi en let's play tu joues pas à Mosquito, je sais pas quoi là? Tu vois ce que c'est le jeu ou pas? T'incarnes un moustique et tu dois piquer des femmes qui sont dans leur bain. C'est un jeu sur PS2. Non, hein. Non. Fais-toi plaisir. Hein. Oh, le pervers. Ah, j'aime le. Non. Ah, Mosquito PS2 Game. Bah, je crois que c'était Mister Mosquito si je pas Mister Mosquito, je viens de voir, mais va te faire enculer. Ça, ah, c'est du jeu, hein. L'oncle Dugo qui lui disait, bah, joue à ce jeu. Eh bah, écoute, il sort le dard, c'est jeu, j'incarne. Non, mais je te jure, hein. T'as différents niveaux, hein. Regarde le réalisme, Hugo, t'as vu les poitrines comment elles bougent? Bah, Mister Mosquito, hein. C'est sa voilà. Vie avec son époque, hein. Désolé, mais la couleur du jeu en japonais, elle est classique, hein. Allez, non, mais regarde celle en japonais, magnifique. Le classique. La jaquette, elle est trop stylée. Non, mais je l'ai vu. Le gros pied. Mais j'ai envie d'y jouer. Ah, j'avais pas vu, tiens. Attends, mais c'est quoi la différence avec le jeu qui vient de passer, là? De quoi? Je crois que c'est le même jeu, hein. Là, on va taper des jeux de merde. Le même jeu, quand même. De toute façon, il y a 1h30 à remplir, donc à mon avis. Ah, c'est le même truc, ouais. Désolé pour ces jeux de merde. On va vraiment s'améliorer. Je suis obligé de m'excuser, voilà. Désolé pour la gueule de Tibro, vraiment. Oh, ça me fait rire. Désolé, il ressemble à moi. On va pas nous remontrer. Ah, SNK, tiens. Ça fait longtemps. SNK, ils ont fait quoi? Bon, ils vont sortir des remasters de leur jeu. Oh la vache. Faut être original, hein. Et les jeux là qu'ils avaient dit, la Jet Force, enfin Jet Set Radio et tout, que ça ressort. Il se passe quoi là? Ah, les plus moches avec les remakes, ouais, c'est vrai que j'aimerais bien le voir à quoi ça ressemble. Tu le connais lui? Bah, bien sûr. Le mec? C'est Fabrizio. Il s'appelle Grange. Hein. Mais on joue plus aux jeux d'arcade, connard. Bah, n'empêche, ça pourrait être cool, hein. Bah, c'est pas très beau du coup là. Moi j'aimerais bien. Oh la vache. On est sur PS2. Oui, bah, doucement. C'est un jeu, c'est un casse. Prêt. Non, à 3 lettres près. Vox. Ouais, non, je suis. Ah, mais c'est Fatal Fury ou c'est King of Fighters? Oh là ça, là, ça va quoi. Oh la vache. C'est la... ça, ah, les jeux qu'on a vu 800 fois là en gros. Fury. Mais alors, non, mais je pense que... Bah, après, okay, bah, s'il y a ça dans le jeu alors. Il a coupé les verres alors. Ça s'appelait aux gens de la simulateur de bar. Eh, ouais, t'es pas la cible, tu la fermes, mec. Wow, Master Chief. Bah, masterclass, attends, tu veux dire? Bien dit. Alors, c'est jamais passé ça dans la vraie vie. Si, pota, moi ça m'est arrivé. Mais sur la queue, seulement. Mais c'est encore pour faire la pub pour le truc Luna, là? Salope. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la ref. Ah, c'est même pas un jeu, ok. Parle de son ex, hein, okay. Pour ceux qui n'ont Dolby. Pas dans le chat. Ça fait la pub Dolby. Bien, hein. Je tiens à le dire comme ça, au moins c'est clair. N'allez pas chercher. Mais maintenant, faites la prochaine fois, hein, parce que là... C'est clair. On partage? Attends, mais est-ce que honnêtement dans le chat il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo en streaming? Je m'imagine toujours pas quelqu'un qui fait ça de manière journalière. Le plop du truc, hein. Non, quand mais même. attends, parce que si t'as une bonne connexion internet, ça doit marcher, non? Mais en fait, je te jure que moi j'avais une connexion, j'ai une connexion de fou, j'ai retesté, ça ne marche pas bien. Donc, parce que je crois que j'avais vu un mec qui disait il jouait avec le truc PlayStation là, tu sais, oui, le portal, mais même chez moi le portal ça marche pas. C'était de la merde. Ça marche pas. Alors qu'il était en... J'ai l'impression qu'il y a un délai, ils peuvent pas la régler. Ouais, non mais... On continue de parler, hein, parce que le jeu nous intéresse pas. Oui, vous comprenez non, bien mais que... ce jeu... Oh putain, emoji colère quand même. En vrai, le streaming de vidéo, c'est bien pour le mec qui a pas le choix. C'est quand même un... Ouais, mais... Un bon remplacement. Ce qu'il y a, c'est que je pars du principe, si tu peux jouer en streaming et que t'as un téléphone à 1000 balles pour pouvoir jouer dessus, bon bah tu peux peut-être... T'as une console, quoi. C'est pas de moi, quoi. Bah ouais. Tu m'étonnes quand t'es en train de vendre des à 2€. C'est vraiment pas moi, hein. Son retour.
Tibro qui a plus rien à bouffer à la fin du mois. Bah je sais pas, vend 2-3 tulipes. Bah attends, regarde s'il y a, regarde s'il y a sous tes chaussures, on peut peut-être cuisiner un truc. T'as pas 2-3 tulipes d'oignons là à vendre. T'as des plans d'avocat peut-être à vendre. La transition entre le dessin animé et ça c'est... Pêche. C'est bon Tibro, tu peux rire. Attends, je vais pas te mentir, le jeu a l'air... Le jeu a l'air plus ça. Ah, y'en a 3 putain maintenant. Eh, toute la famille. Genre 1, genre 2, genre 3. Bah alors là, j'imagine pas les 3 dans une conversation. Bah putain, bah putain, bah putain. Bah ça c'est Rock, bah à qui me dis-tu c'est Rock. Oh alors toi. Bon, oh c'est pour toi Jean. Ouh. Sexy Gundam. Bah quoi, c'est pour toi. Bah alors cette laisse de marbre. Je suis en train de faire un truc. Ah ok pardon. Bah putain. Ouais, moi ça me choque que tu réagisses pas à ça. Danse à la Katsuki, bina la Katsuki, danse à la Katsuki, bina. Attends, mais c'est super sexy. Non mais attends, ça me plaît. La variante des numéros est très très bien, j'adore. Parce que tu sais, moi je m'intéresse, mais ça fait vraiment design chinois. Et ça me plaît pas du tout, moi. Oh, la longueur du live chat. Ah, le Palestine Gaming, il m'a eu, je l'ai vu au dernier moment. Ah. Eh, vous pouvez dire ce que vous voulez ici, y'a aucun souci. Eh, lâchez-vous, de toute façon, les woke, ils mettez tremblent. Mettez des pastèques dans le chat, là. Ils tremblent. Mettez des pastèques. Eh, Hugo, les woke devant la... J'ai froid. Quelqu'a mis des glaçons dans mon froc? Non, mais laisse tomber, quoi. Elle est vegan. Vous... Oh. On mange, non. Attends. Ah putain. Allez, on peut rire quand même, un minimum. Rions un peu, la vie est tellement Morrowind. Eh oui, rêve jeu vidéo. Bah bien dit. Attends, mais on dirait une musique de rock. Bah c'est... Non, on dirait des musique... zombies. Bah ouais. Blumhouse, ils font des films de base. Mais attends, on aurait dit la musique de Black Ops, ouais. Tu trouves pas, c'est quand on démarre un... Ouais, zombies sur Black Ops. Ouais. C'est quoi le rapport là entre ça et ça? Ouais, Stardew Zombie. Attends, c'est un... C'est exactement comme le jeu que j'ai joué. C'est-à-dire? Ah mais ça c'est vraiment un jeu d'horreur. Où t'es un jeu normal, TPS ultra race, et d'un coup tu passes en plateforme 2D, un peu mignon, kawaii. Ça s'appelle comment? Indica. Indica? Ouais. Attends, je vois le nom, mais je vois pas à quoi ça ressemble. Oh, ça c'est joli ça par contre. Non, mais il y a un mélange de genre, comme ça. Je vous le dis, je vous le dis. Mais en vrai, ça m'attire de plus en plus. Me dites pas ça, vous allez donner en vrai, du... vous allez donner du... Ah bah c'est difficile de répondre apparemment Lucas. Dites pas ça. Attention parce que je vais sortir mes plantes là, mes fleurs. Ah bah c'est possible de bugger autant. j'ai l'impression que le mec bégaye plus que Jean-Paul Manov, donc c'est très très grave là. C'est toi qui avais la vidéo de Jean-Paul Manov, t'es râle. Avec la musique en mode leçon de vie là. Ah, c'est pas ah mais le face swap avec Terra et Antoine ça va pas du tout hein. Ah gazé porno. Eh ben il faut bien se convertir hein. Bon bah écoutez les jeux Blumhouse on va se... Non mais en vrai ça a l'air... On va se languir. Non, moi j'y vais. On se met de côté. Je vais pisser sur les plantes de Tibro et on verra après. Ah mais Blumhouse c'est un studio de... C'est un studio de Smash ça. Ouais. Ah mais ils vont vraiment venir intervenir pour nous parler des jeux qu'on a vu là. Ta femme doit regarder Little Shop of Horror. C'est quoi ça? Elle va arrêter la florisme. C'est vieux ce truc, non? Le florisme. Le florisme. Comme si c'était une passion, hein. Vous êtes un super couple, vous deux. Bonjour, monsieur Bloom. Attends, il est appelé par le... C'est lui, son joueur. T'as pas. Eh, connard, t'as appelé Blumhouse. Mais c'est pas ce qu'elle veut. Ce qu'elle va gagner. Voilà. Ah, la musique derrière, c'est classique. Attends, c'est quoi le truc? De quoi?
more and more popular. Our movies are working on streaming, it's working in live. Mais là, ça donne pas envie vos jeux, monsieur Bloom. C'est long, hein. Il a payé cher, hein. Ah, putain. Ah, il aurait fallu que je fasse un pré-cran. Quoi? Tu es en train de boire, tu correspondais parfaitement avec le mec qui était sur l'écran. C'est-à-dire? Attends deux secondes. Je me débrouille. Mais je suis tout petit en plus, comment tu... Attends, genre, regarde, je fais un petit même. Ouais, Geoff qui disait look great. Geoff. Attention, Geoff. Qu'est-ce qu'il a sous les chaussures, Geoff? Bah, il a marché sur quelqu'un, j'ai l'impression. Ouais. Geoff qui ment, hein, encore une fois. Hein. Attends, parce que c'est complètement dingue ce qui est en train de se passer là. Bah, Avril Lavigne sur scène en 2024, c'est quelque hey, chose. Hey, hey, you, oh, elle ressemble à celle dans Carrie, là, la daronne. Tibro, tu le dis si on te fait chier. Hein. Ouais, je te jure, sincèrement, c'est lourd. Hein. Bon, allez. Tibro qui fait du poker en ligne. Je vais faire mon terreau parce que c'est chiant. Hein. Pourquoi t'as ça? C'est le nom de la vidéo. C'est quand la vidéo. Petite peinture pour patienter, quoi. Mais tu te fais même plus chier maintenant. Ah, mais c'est mon fichier. Ouais, ça s'appelle comme ça. Ah bah ça, je dégosse le nom du fichier. Bah ouais, mais justement, j'aime bien. Mais non, mais tu comprends, je me fais... Elle me fait chier, cette séquence-là. Oh. Ah, c'est toujours chiant quand il fait venir des gens sur scène, on s'en fout. Mais on s'en fout de vous entendre, hein. Gaming. C'était quand la conférence où, justement, on était contents parce qu'ils avaient enchaîné les jeux. Je crois que c'était Xbox, hein, je crois, l'année dernière. On avait même pas eu le temps de faire les cons. Ça change. Terra. Oui. Attends, va chercher le mec. Ah merci, j'ai trompé de vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais non, mais je pensais que c'était la vidéo avec dégage le chat. Mais c'est pas du tout ça. Ah, tu l'as fait vite, hein. Quand même. Ah, bah écoutez, moi je trouve que ça dénonce totalement ce qui se passe. Moi je trouve que ça dénonce. Ah, c'est dingue. Ah, ouais, merci, monsieur Bloom. On n'a pas fait de vanne sur ça en vocal, alors qu'il y avait tellement à faire. Merci, monsieur Bloom. Ouais, première. Oh là là, oh, bah, c'est pour toi, Jean. Mais non, Jean. Power Rangers. Oh bah, Hasbro Gaming. Genre d'être hype. Oh bah, Hasbro Gaming, ça peut être. C'est Power Rangers, c'est Power Rangers, Jean. C'est des jeux pour enfants. C'est pour toi, Jean. Okay, ouais. Attends, mais ils ont même pas la même musique. Eh ben. Ok. Okay. Bah, quand Jeff disait qu'il y avait pas grand chose cette année. Oh oui, ah, Eschling. Oh, j'en connais une qui a passé 24 heures dans un camion. C'est pas moi qui parle. Ah, enfin Tibro qui parle. Ah oui. Mais c'est un vieux truc ça en plus, c'est un remake. Ah non oui. Oh, Jean, pas à nous. T'aimes ça les Power Rangers? J'adore les Power Rangers, mais je vais pas y jouer. Va faire du terreau, Tibro. Oh la vache. Van jardinage. Va faire du compost, imbécile. Ah, oh, je suis genre. Regarde, changement de décor. De jeu, quoi. Eh. Wow. C'est vendeur, wow, hein. Wow. Oh le méga. Wow. Oh là, c'est même pas très joli le pixel art, là, quand même. Ah bah, moche, hein. Ah bah Rita, on te retrouve. Attends, mais ils sont donc fiers. C'est ça, c'est War Première là. C'est ça, c'est War Première. Peut-être pas la peine de le présenter comme ça, le Geoff. Hein. C'est quoi ça? Oh. C'est Worms 4. Ah oui, pardon. Mais non, c'est ah pas bah ma souris. C'est le mec, il a perdu sa mère, visiblement. J'ai cru que c'était Worms. Ah si, Odir 2. Oh Pig. Odir 2, putain, le retour de mon kill. Oh Pig. Still just a. Oui, bon, allez, ça y est. On l'a très vite oublié, Odir aussi. Je suis désolé. Ça y est. J'en reviendrai plus fort. ça y est. Bah, ça a l'air poétique. Oui, allez. Et en fait, ce jeu, c'est pas vraiment qu'un jeu. C'est plus qu'un jeu. Et là, à un moment, il y a le cerf qui dit bah, va te faire enculer. Et là, ça prend une toute dimension. Ah, bah, on dirait. Pose des questions. En fait, Jean, on dirait Inside, mais trop mignon, malheureusement.
Je m'en fous. Oh mais toi qui aimes les jeux indépendants pourtant, putain. Non mais attends, j'aime les jeux indépendants mais pas les jeux qui ont l'air chiants. Ah c'est vrai qu'en termes de gameplay on a vu mieux hein. Bah non mais arrête, c'est bon. C'est les films, c'est les jeux mignons là, ça a du goût. C'est oh Fakoshir géant. Géant. Ah bah par contre là il m'a eu. On dirait Mononoke. Ouais non mais un gros mammouth. Ouais j'en ai fait du mammouth il y a pas longtemps hein. Comment ça? Bah j'étais à dos de mammouth là l'autre jour. Ah oui. Dear oh, Diren Boy. J'ai... Non mais le problème deep, c'est que ça deep donne boy, pas envie. Hein. Mais en tout cas les... Oh, les applaudissements timides dans la salle. Il y a eu un petit tel hide je crois. C'est pas moi, moi j'assume mes propos moi. Ouais moi aussi. Je préviens parce que toujours c'est moi le méchant. Alors qu'il y en a d'autres. Dit-il avec un grand sourire. Ah mais putain espèce d'enculé. C'est toi qui as fait le montage avec la musique espèce d'enculé là. Catastrophe hein. Ah, là, oh regarde, Red ça, Dead Kingdom Come. Secret Reviews. Attends c'est Kingdom Come genre. Kingdom Come, Kingdom Come. Pellicule 1, 2, 3. Voilà, c'est ça qu'on voulait. Aïe. La suite des aventures médiévales. Moi je trouve qu'ils ont abusé sur sa coiffure par contre. On dirait qu'il sort du barbeur. Hein. Elle est trop jeune, bah, sa coiffure. Tais-toi jaloux, Kingdom c'est Come. Abusé par contre, ouais, la coupe. Impossible ouais, d'avoir une coupe comme ça à l'époque. De matin, quoi. C'est... En plus Hugo, il était déjà bien le 1, ils vont s'améliorer sur le 2. Je sais pas si t'avais... Bah ouais, mais je sais pas si t'avais vu du coup le tweet Pota passé, mais il y a je crois 5 fois plus de dialogue dans celui-là. Je pense que les interactions, ils ont bien poussé à fond. Déjà que c'était pas mal dans le 1. Mais j'espère quoi. Que tu pourras eh avoir bah, eh bah, il se fait plaisir. Attention. Non, mais c'est le même village, ça. Et j'espère qu'il sera mieux optimisé pour les streamers. Pourquoi? Ouais, j'avoue, par contre, il y avait des problèmes. Ah ouais, quand tu l'avais streamé, c'est vrai qu'il galérait, ouais. Ça m'avait un peu... Moi, ça me donnait envie de regarder, mais bon, si c'était pas jouable... Non, mais c'est le même moustachu. Ah bah, c'est la même scène. C'est grave, Grim. Il revient, il refond la... C'est du bon boulot, ça, c'est du bon boulot. Non, ça, je vais... Ça, je vais bien y jouer, ça. Tibro pendant ce temps-là. Ça, ça a l'air d'un classique. Part en Irak, bah putain. Ça c'est classique, ça c'est classique jeu. Allez, on va faire, on va planter joli, des ouais. petites fleurs. Allez, on va faire la guerre. Ouais, Allez, sont où mes jacinthes? Elles sont où mes jacinthes? Ah la vache. Mais Rhododendron qui va s'en occuper. Non, mais ils ont tous des coupes de fou par contre, c'est impossible à l'époque. Ouais, désolé. Pas les coupes là. Moi ça, ça me sort. On s'en fout des désolé. Coupes. Ah, on a pas de date. Michel Barber là. Bah, ça me sort complet du jeu. Je pensais qu'on allait avoir une date. C'est Kingdom Come, les amis. Ah! Back in 2021, we announced his new game... Ah non, oh, ça avait l'air d'être une cata ça. Mais qui 2021? En gros, en 2021, ils avaient montré le premier nouveau jeu du c'est mec qui a fait Silent Hill 1. Non, c'est pas lui. Et on avait vu un trailer et le trailer Monsieur ça donnait pas envie du tout. Hein. Comment on se retrouve? Non, mais tu t'en Patate rappelles encore? Ouais, je m'en rappelle, ouais. Bah, c'est un fan de jeux vidéo. Ah, c'est vrai. C'est comme nous avec les films. Ouais, c'est vrai. Et moi on avec les fleurs. Bah, voilà. Ouah, qu'est-ce que c'est? Attends, mais c'est... Avec mon petit bout de femme. Ça, oh, ça a l'air de... daté oh, par la contre vache, là. Le visage est moche. Même pour de la CGI, c'est pas fou ça. Enfin, c'est pas de la CGI, je pense, mais. What? What? Pardon? Zergloobs? Humain. Oh. Ouais, y'a pas un dev, il dit je vais mettre des grosses couilles dans mon trailer. Ouais, c'est oh clair. Là t'imagines, là. Il prévient personne et... à la conférence et il dit non, mais que. Oh. Qu'est-ce qui se passe? C'est cool. Oh, le ballon de Baudrige. Et vous trouviez Silent Hill 2 moche le chat là la semaine dernière? Ah ben. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? On dirait Parasite. Mais c'est pas très beau. C'est Parasite the game. Ah Digo Krishuke. C'est pas très beau cette affaire là. Attends mais. Oh là 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 là. C'est bien. Non, Parasite c'est le. Oh la gueule de la bestiole. Wouah, purée la vache, comment c'est les. Et c'est horrible ici. Ah oui, ça c'est monsieur qui a fait Silent Hill 1, bah quand même. C'est peut-être pour ça qu'il a pas refait de jeu après hein. Ah c'est pas bon hein. Ah mais même l'attaque. Même c'est... ça tourne pas bien. Ah et puis ça donne envie d'y jouer. Putain, mais même le trailer bug, c'est grave quand même. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Bien une petite partie de combat contre menthe religieuse. À mon avis, ça pour moi c'est un stream de 58 heures. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Parasite hein, pour le coup. Ouais, on dirait Parasite ouais.
Non mais c'est grave, c'est Infamous mais en moche. C'est japonais, hein. Ah, c'est... Ouais non, là c'est on dirait... caca. Ah non, c'est juste caca. Comment s'appelait déjà le jeu là, Predator ou Préto truc là? Comment ça? Oh, il y avait pas un jeu comme ça où t'avais un mec qui avait un gros bras avec une... Prototype, voilà. Ah oui, Prototype, c'était un classique. C'est quoi ce proverbe là? Même pas. Je sais pas. Mais laisse tomber, ça c'est du super proverbe. La colombe n'atteint que la bite de chien. Oui. Lâche ma couille, tu verras. Ah bah ça sort cette année, en plus, bah y'a du travail quand même, hein. Oh, Min Bin Guy. Oh, ça a l'air d'être un classique par contre. Ouais, ça fait un peu même machin. Bah, c'est un jeu qui est fait par un seul mec, ça peut être drôle. Justement. Regarde ça, regarde ça. Ah mais Dems Rouge, c'est comme, bah c'est Max Payne. Un peu, ouais. Ouais, par contre, j'adore la bagnole. Eh, c'est dans quel dessin animé, genre, il y a une bagnole, elle a des dents à l'avant, là, comme ça. C'est dans Roger Rabbit. Oh, ah, ça me dit rien. Oh. Oui, bah, c'est hyper kill, hein. Enfin, ah, tu peux jouer kill, FPS hein. Aussi. Il va le faire, hein. Mais attends, c'est des M&M's, on est d'accord? Non, c'est des haricots. Des haricots. Mais pourquoi on dirait les M&M's? Ouais, bon. Bah parce qu'ils ont une petite tête similaire. Ça a l'air un peu le jeu So Crazy quoi, Hugo. Je pense que là c'est même c'est surtout pas du tout fini quoi. Là il a montré il a téléchargé des trucs sur Cinema 4D, il s'est dit tiens allez. Même ça se vendra. Bah ça va marcher. Ça ressemble à tout et rien quoi. Gênance maximale pour ma part. Mon cringe-mètre est activé. Grim qui m'avait dit qu'il serait là ce soir d'ailleurs, je le retiens. Le mec il a des sueurs froides. On voit le cul des haricots par contre. Ouais. Et bah sur Twitter ça donnait envie là. C'est super long par contre, ils ont combien de millions ces mecs? Ah, mon chat m'a corrigé tout à l'heure, apparemment les jeux indés n'ont pas payé autant. Heureusement, parce que bon. Ah donc ça c'est combien? Il a payé combien le mec? J'en sais rien mais c'est vrai que payer... Ah bah, moi ça me fait plaisir de le voir heureux hein, avec ses petites plantes. Ah bah j'adore. Préparez-vous les gars, c'est cet été hein, que ça sort. Hein. Everybody. C'est Rico qui kill. Everybody. Oh, Matrix. Ah d'accord, donc t'as entendu Potin, hein. Il a travaillé sur Matrix le mec qui fait le jeu des haricots. Hein. C'est bien. Ah bon. On aurait peut-être pu continuer à faire. Il a juste fait des lights sur le sol. Il a fait les cafés hein. Bonsoir. Elle est française elle. Oh, il a l'air content d'être là. Ah bah Emmerich il doit être français. Ah bah c'est pas VL, elle a un accent français. Ouais. CEO The Game Bakers, qu'est-ce qu'ils font eux déjà? Les boulangers du jeu vidéo. Bah sors-moi un jeu Mad Max. C'est pas le truc dans l'espace qu'ils font eux? Mount K2, et puis quoi encore? Très squeezy stream. Je croyais que c'était trop long au bout d'un moment. Ouais, tout à l'heure, Potin il a fait un truc très très long. Tout est possible. Eh, hey, super son froc! Bon, c'est un enterrement ou quoi là? Mais j'avoue qu'ils ont pas l'air très très joyeux, ça. Oh là 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 là! Eh, hey, vous êtes ici pour vendre votre produit, les gars! Ça, mais c'est dingue! Ça, c'est même le qui public parle c'est de endormi, hein. Et alors, t'aimes bien mon jambon blanc avec des. Avis, les gars, sur mes œufs au plat avec singe? La théorie sur Thibaut Inchep, elle s'avère rien. C'est vraiment des mêmes plaques de merde que Thibaut Inchep. Comment ça, ouais, la théorie, Pota? Y a aucun plaisir. Quelle théorie? C'est de la nourriture pour... Ah oui, c'est pour manger. Juste pour manger. C'est pour... Oh, arrête de mentir un peu. Bah. Mais mec, il y a deux semaines, j'aime pas manger. C'est flouté, lui. Non, mais c'est... On monte l'Everest à nouveau. C'est reparti. Death Stranding. Encore un jeu d'escalade. Désolé, mais ce jeu a l'air déjà plus intéressant. Ah bah j'ai envie, en vrai j'ai envie de le finir. En vrai, ça... oui, forcément. En vrai de vrai, non, genre, mais j'ai tous les envie de le finir. Ça doit j'avais... Tu te regardes, le faire, t'as... Genre. J'avais ouais, pas ça, fait t'as envie le. De dépasser, de monter tout en haut. Regarde, objectif. En plus il y a des vraies variations, ça peut être pas mal. C'est surtout que tu gères tes deux bras et tes deux. Ouais, t'as l'air de gérer tous les extrémités là. Ah mais ça va être un classique ça. Oula, ça se. Attention. Bah Inox est mort. Oh non. Putain le dos. Eh, faut pas s'énerver comme ça. Super énervé. Bah il a l'air super sympa. Non mais attends, moi j'ai.
Oh la petite tente. Je me dis ok, ils ont la corde quand ils tombent. Attends, mais ça a l'air super. Oh, ça a l'air pas mal, ouais. Oh, mais il y en a qui meurent, je crois, non, avec la cause de la corde. C'est comme jusante, je l'ai pas fait, mais ça avait l'air sympa. Oh, quand je même. Like. Ça, c'est du français, ça. Ils ont des bonnes idées. Oh, les la français. Petite musique c'est en plus, français, ça a l'air cool. Bravo les français, bravo. Vive la France, heureusement, vous faites des jeux vidéo. Attends, parce que c'est Terra qui a dit ça, c'est des français, mais sans même savoir si c'était des français. Oh, si, 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 si. C'est sûr. Ah, bah, pardon. L'autre, son français s'appelle Le Prince. Ça se voit, c'est un petit jeu la musique. Genre, parce que la France, absolument, un... t'as absolument envie de faire ouais. Le. Un peu comme Peak of Yore, hein, quand même. Peak of Yore, j'avais du mal à Peak arrêter avant d'avoir fini cool. Chaque truc. Hein. Kern. Kern. Okay. Si, ah bah j'espère, oui. C'est, j'espère que c'est un peu complexe. European Union. Ah bah le CNC, ouais. Ouais, ouais ça a l'air sympa. Pas mal, pas mal. Ah, Annapurna. Ah, j'aime bien leur jeu. Moi ça, voir. Je suis content. Kingdom ouais. Come et ça, je retiens. Ah, oh non, bah alors Stanley Parable, j'ai pas aimé, donc ça ira. C'est... Ah oui, parce que j'ai vu une vidéo cet après-midi de Game Next Door qui en parlait. Et, Sur quoi, Jean? Annapurna? Bah justement, Stanley Parable, et je me demandais que, si c'était bien ou pas. Bah, je pense, en fait, c'est très très précis, c'est un truc en mode enquête, mais bon. Bon, bah alors là, non, mais attends, mais c'est bon. Et on regarde plus les ah bah, Nintendo ouais. Direct, on en regarde oh, voilà, plus les Nintendo pour Direct moi. Pour pas. Bah, oh, bah non, voilà, tu vois. Le pédophile, il va revenir. Non. Ah, bah, vois que ceux qui voulaient planter déjà ça. C'est bon. Y'a plus rien à dire, hein. C'est terminé ce truc. Bah, peut-être que le mois de 11 ans, on aurait été trop content d'y jouer. Pour la marmite. Ouais, mais t'as plus 11 ans, Terra. Ouais. Le E qui part en balade. Eh ben il est coincé dans le lab de Zouzi. Ouais bon. Tiens le petit pingouin et tout, oh là là. Ah non monsieur. Après ça c'est des jeux qui ont beaucoup. Ça, c'est une bonne idée, c'est le ah Pota ça t'intéresse. Pota qui dit bah putain le jeu en fait il me dit bien là. Ah la vache. C'est parce que c'est le personnage principal. Oh là là mais c'est nul ces jeux mais arrêtez. Ah c'est pas pour moi hein. Bah non parce que c'est pour moi j'ai dit. Moi je sens que Thibaut en stream il va vous régaler les gars le faire hein. Pas la peine de réclamer s'il vous plaît dans le chat. Et on passe à autre chose. Les trois nains quand Blanche-Neige est revenue hein. Bah je suis où là? Je suis où? Oui, Geoff. J'ai envie de voir Judas, moi. Mmh. Le mec qui veut se rassurer. Le sondage qui tourne mal. Il dit ça de manière basique. C'est des pédophiles en fait. Ah. Ah bah faut pas être si fier que ça Timon hein. Oui, bah écoute eh bah bienvenue coup. Dans le fromage. Ah bah merci. Oh lolo. Camille. Non mais les gars on est quand même en 2024 là. C'est quoi ce jeu? Bah on sait pas. Ah ok, en tout cas c'est pas beau hein. Ah la vache c'est pas beau encore. Bah ailleurs je peux passer outre mais bon ça me dit pas trop quoi. Bah ouais, le truc il a une super canne. Ta gueule. Attends par contre je kiffe. Toi ta gueule. Toi ta gueule. Toi ta gueule. Bah, on dirait trop C'est Jojo's Bizarre Adventure là. On dirait trop Banishers là. Oh non, Grim! Oh putain! C'est un malade ce mec. Moi je trouve qu'il a encore abusé. Hein. Le pire, ce qu'il y a, c'est que Grim, dès qu'il a l'occasion de le faire, il le fait quoi. Ah, tout le temps, ouais. Ça passe pour un prétexte. Même des fois, il nous oblige à le faire. Hein. Ah bah écoute, Awakening. Si vous faites pas de série nazie, je viens pas au Summer Game Fest. Pourquoi ce singe il est si. Attention! Écoute, tu sais très bien c'est quoi la sentence, hein? Ah non! C'est bon, on passe à un autre jeu! Monster Hunter! Oh, bah là, je peux pas le dire parce que j'avais joué aux autres Monster Hunter. Allez, montrez-nous le nouveau Monster Hunter, là, j'ai envie de voir, il avait l'air joli. On en a marre. Hugo, non, il est pas joli, j'ai vu des messages qui disaient qu'il était pas joli.
Ça te fait rire ? Oh, c'est quoi ça ? Bah oui, ça me fait rire parce que les gens ils aiment bien dire que c'est pas beau alors que c'est pas un argument. Ouais. Moi je trouve que le mec est complètement fou. Hein. Qu'est-ce qu'il nous veut lui là ? C'est Zoro ? C'est vraiment ah Skull and Bones 2. C'est sympa la musique. Voir. C'est pas rock mais quand même. Attendez, excusez-moi. Bah attention parce que ça commence là. Attendez. Ah ! Ça va Skull and Bones 2. Lies of P2. Hein. On va bientôt voir le squelette et les os bientôt. C'est quoi le squelette et les os ? Skull and Bones. Ah ça c'est du jeu Timbro. Ah ouais. Il est en train de l'acheter là, il y joue un... hein. Oh mais on... ah non, c'est pas un truc genre en mode Don Quichotte de la Mancha là. Ah peut-être. Ça a la gueule d'un Souls like encore c'est... mais c'est la moustache là qui m'a fait penser ça mais Non mais t'as peut-être musique, raison. Hein. J'aime bien la musique. Ouais, c'est pas moche. En garde. Ah. En garde, je suis français. Oh, oh. Parce qu'on va pas avoir du gameplay encore quoi. Moi j'en ai marre de ça. Hein. Oh, il s'est transformé en clown. Ah bah dis-le Hugo, crie-le. J'en ai marre. T'as le design, il me fait penser à... Emmanuel Spacecake. Il me fait penser Terra au jeu qu'on avait joué avec Link là. J'ai oublié. King Kong ah, encore ouais, volé le gameplay Emmanuel. Encore pas 3, Nightingale. Je sais plus ce que c'était le jeu là. Non pas ça, je pensais pas à ça. Ah, ça pas comme les masques, ça te fait pas penser à ça. Ah bah c'est Mortal Shell ça limite. Moi, ça me fait hein. penser à Scooby-Doo. Pff, mais alors t'es totalement en sujet Thibaut, désolé de te le dire. Bah non, ils enlèvent le masque et ils découvrent c'est qui le méchant. Oh là là, monsieur Chetou. Bah j'ai pas aimé ta référence. Thibaut, quand y'a pas de fleurs dans un jeu. Bon bah allez, je vais dire de la merde. Bon bah c'est suivant. Bah c'est Mortal Shell mais avec des masques. Et notre Ria. Après on a rien vu du gameplay, on se doute que c'est un Souls-like. Ouais, Souls-like, ouais, je pense, ouais. Eh mais y'a la démo de dispo. Oh le petit gâteau Taylor. C'était quoi le nom du jeu ? Un peu plaisir. Merci. J'ai oublié. Antaria. Bon. Anetaria. Geoff, je commence à en avoir marre. Geoff, un petit jeu sympa. Eh Geoff, une gifle. Geoff, remets-moi l'escalade. Tu veux qu'on te déchire le t-shirt, Geoff ? Oh la vache, je vais lui arracher. Tu veux qu'on t'arrache tes vêtements ? Bon alors là, ça a l'air d'être. Que quelqu'un monte sur scène lui arracher ses vêtements, merde. Oh, c'est la musique. Oh la musique. Ah le Wascon. Comme on est sur un TikTok là. Ben c'est la honte de faire un trailer avec cette musique là. Non mais attends. Après la musique est toujours belle. Hein. Oui oui non mais c'est faire un trailer avec cette musique pour un jeu comme ça. Genre ça se voit que c'est ça sent le jeu coréen 3D quoi. On va voir hein, mais bah c'est Viper ça, c'est du plagiat. Et j'en peux plus. Bannissez-moi le pot Palestine dans le chat. Vous me le virez. C'est une référence, hein, à deviner. Pas facile. Vous avez fait bien, Jean. J'en prends quelques-uns. Le ami, l'amibo qui tourne. Ah ben, ça a l'air d'être un grand jeu, Geoff, encore. Ah ouais, je suis désolé, mais la musique elle rend le truc chiant, là. Ah ouais, de fou, ouais, ça va pas du tout, hein. Vous avez payé de l'argent durement gagné, qui est une représentation physique des biens et des services que vous pouvez changer littéralement votre temps de vie. Vous serez gaspillé à utiliser un skill qui ne serait non, mais il l'a sous les yeux là, c'est pas possible. La société n'avait pas construit la nécessité du talent que vous avez développé. Cependant, vous êtes donc maintenant après avoir pénétré dans un endroit qui a demandé votre argent, venu voir un ahuri en rouge fluo qui a la Ah Bob, t'as rigolé, Bob, t'as rigolé. Hugo, je sente. Ah mais je l'ai déjà, mais je l'ai pas fini, j'avais fait le début et ça avait l'air bien du peu que j'ai joué. Eh hey, on peut passer à autre chose là par contre. On peut next quoi. On peut next. Combien de temps il reste ça, là. C'était le climax de la con, donc si vous avez pas aimé J'ai des Ah mais j'avais pas compris. T'as vraiment cru que c'était. Mais oui, je me disais mais attends mais j'ai regardé mon retour, j'ai dit mais c'est quoi ce bordel là. Bon bah écoute, on change d'ambiance. Mais attends, mais on dirait la musique de... Mortal Kombat en fait, Crazy Frog. Oh là 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 là. Comment ça, Jean? Quand j'y pense. Bah. Non, mais là, t'es chiant, Jean. Attends, Pota. Il va défendre son argument parce que là, je comprends pas du tout. Bah, la musique de Mortal Kombat, le thème. Oh, ta gueule, Jean. Eh, si t'aimes pas, tu me laisses manger ma merde, tu te barres. Attends, je vais te mettre. Merci. Allez, Robert. Remly Tennis. Attends, un petit coup. Je remets un petit coup de Remly Dégus quand même.
au cas où le chat l'ait pas vu. C'est sacrément l'artchoum. C'est sacrément l'artchoum cette robe. Elle a quoi à dire ça là? Où est-ce qu'il est? Sort de la salle. Regardez les mecs, Remly déguste. Nouveau Remly. N'hésitez pas à aller vous abonner les gars. Regarde son scène, elle a une robe à fleurs. Ah bah putain. C'est lui qui l'a concocté. Bah putain. Présentation crazy. Fais ma... Le polo à droite, il est trop drôle. Ouais, il est crazy. Moi, il me fait vriller les yeux totalement. Ils ont deux têtes opposées. Mmh. Comment ça? Bah, il y en a un qui est écrasé dans un sens et l'autre dans l'autre. Carré et rond s'affrontent. C'est dans les presseurs TikTok, Terra. Ils sont passés dedans. Ah, mais ils ont fait quoi, Outer Sloth? This is our way of saying thank you to our crewmates. Je m'en fous! Dis-le dans la salle! Montre le jeu! Tais-toi! Elle a dit crewmate comme Among Us. Mais c'est Among Us! Outer Sloth! Ah, mais c'est eux qui ont fait Among Us! C'est vrai, je me demandais que j'avais vu ce logo. Mais attends, mais ils avaient pas un Battle Royale là? Ils avaient pas dit qu'ils faisaient un truc. Il y avait pas eu un Battle Royale? On prononce. Attends, un Battle Royale ou. De. Comment dire avec un mode d'histoire? Among Us, pardon. Non, j'ai jamais entendu parler de ça, Jean. Big Fat Slut. Le jeu, le studio. C'est un nouveau jeu là, du coup, ou c'est. Attends, mais j'ai non, un. Mais parce que tu sais, tu te rappelles, ils avaient fait une annonce d'un mode histoire. J'ai un trou, mais c'était quelle année Among Us? 2020, c'est ça? 2004. Je suis abusé. J'ai pas l'impression que ça fait 4 ans déjà. Bah, il serait temps, ouais, d'utiliser l'argent. Oh! Non, mais je sais ce que mes poutines de trailer. Oh! Bon, allez! Ah, des Lego! C'est pour toi! C'est pour toi, Tibro, Terra! Ah, mais non! Ah, d'accord, ils lancent leur truc d'édition, ok. Ouais, c'est tous les jeux qu'ils ont financés. Bon, bah, ils pouvaient garder l'argent, eux. T'as dit quoi? Il fallait garder pour. On va continuer les mises à jour Among Us, hein. Je pense qu'on aurait sauvé plus de vie que ce truc. Ah ouais, et donc ça va être. Ok. Remettez le jeu des Lego quand même. Ouais. Il y avait quand même la cagnotte de Bagara, sinon. Enfin, je dis ça comme ça, mais enfin. S'il vous plaît. Among Us 2, non, du coup. Faites un mot fléché 3D, allez-y, hein, mais bon. C'est quoi ça? Faites un Yams, hein, sinon ça ira plus vite. Bah désolé, mais ça n'existe pas le Yams en 3D. Ouais, un bah si, Nintendo, mais ça coûte mais oui 50€. Ah ouais. 50€, donc. Un petit 421, quoi. Et même en occasion? Même en occasion? Parce qu'il y a un multi Nintendo, qui marche bien dessus. Bah, ils mettent jamais d'occasion Nintendo. Eh oui, je veux pas. Bah, non, mais genre dans un Micromania en occasion ou des trucs ah comme oui, ça. Ah oui, bon, je veux pas aller à Micromania pour aller chier à mon Yams. Pour acheter 52 jeux indémodables. Tu te fous de ma gueule. Vous avez un Yams. Je cherche le jeu du trou du cul, s'il vous plaît, sur Switch. En plus Hugo, démarrer la Switch, la connecter. Non, mais allez, je suis d'accord. Ça va. Outer Slut. Après, l'émulation existe, hein. Ouais, c'est clair. Ta gueule, ils auraient dû garder l'argent, Hugo. Et pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on fait pas du YAM sur, comment ça s'appelle? Tabletop Simulator. Ah. Bah tant qu'à faire. Ouais, il est trop dur, Tabletop. Oh. Oh, le gros bébé. Attends. On va finir par le dev, hein. C'est super bizarre. De quoi? Bah, PlayStation, on l'a loupé, le Lego Horizon Adventures? Non, ils l'ont montré au début de la conve. Ah oui. Toi, tu faisais ton Lego. Mon Lego, j'ai pas vu. En vrai, ça avait l'air joli, Terra, pour être clair. C'est encore Among Us. Mais en plus, Terra, tout l'univers était en Lego. Il y avait pas des trucs. Ils font des pizzas, Among Us. Arrêtez. Ils vont faire quoi? Des fleurs la prochaine fois? Tout l'univers est quoi qu'ils vont faire en Lego? Non, mais ça a l'air d'être une série, ça. Ah oui, je vais regarder, ouais. J'ai le temps. Je dois finir Mad Men et après, je me regarde Among Us, la série, là. Personnellement, je vais regarder Les Sopranos avant. Vous m'en voudrez pas, Inner Slut. Ah, je sais pas, j'hésite, hein. Putain, je me demande c'est qui l'imposteur quand même. Un mec beaucoup trop impliqué. Ah, c'est. Je sais pas. Hein. Allo. Allez, sorry. Elijah Wood. Non, mais il y a Elijah Wood qui fait une voix d'un. Le Among Us, quelle couleur alors? Après, Elijah Wood, bon. C'est vrai qu'il a fait quoi? Merci pour Gandalf, c'est le mec qui se trompe. Non, mais il y a un truc notable depuis Seigneur des Anneaux ou pas? Parce que je sais même pas, moi. Oui, il y a un truc où il pète, le gars, le cadavre. Sin City. Oui, pète. Avec Harry Potter? C'est Radcliffe, ouais. Non, c'est Elijah Wood qui fait dans Sin City. Mais il parle même pas. Ouais, mais dans le truc que t'as dit où il pète. Ouais, il fait un tueur. C'est Harry Potter. Il y a le mec qui pète. C'est tout. Non, mais c'est Radcliffe. Mais non, c'est pas Radcliffe. Ah bah si. Bah si, c'est Radcliffe. Si, c'est Radcliffe. C'est Harry Potter qui fait le méchant dans Sin City.
Mais non. Mais non, ah, l'inverse. Le mec inverse. Qui pète. Ah oui, t'as raison, c'est Rastif dans le mec qui pète. Oui. Alors là, le mec, il est vraiment débile. Là. Et Tibro fait des petits bouquets de fleurs de merde là. Il est dans son coin là. Mais là, il est en train de compter le trèfle du pissenlit. Hein. C'est grave. Hein. Et une jonquille. Et deux jonquilles. Bon là, c'est Shadow. Ça ira. Hein. Les jeux Sonic, on a compris. Hein. Ouais. Oh la musique. Oh la vache. Même non, moi, il y a 15 ans, j'écoutais pas ça. J'aimais la dubstep. Hein. Eh, super ton live chat, pota. Moi, j'ai kiffé. Merci. Merde. Je l'ai pas vu, je suis désolé. Que... Eh, par un grave. C'est un DLC du Sonic que t'as fait en OP, Terra. Tu rates quelque chose, non? Ouais, ah oui. J'ai adoré. Contacté. C'est avec plaisir. Ah ouais, non, moi j'avais essayé le début sans être payé, hein. Mais j'ai pas aimé. C'était une expérience. Ça a son genre, ça a son style. Écoute bien, petite pute. Ouais, Sonic, tu vas loin. Sega. Oh là, oh, le blanc qu'il a mis, Geoff, il est pas bien là. Ah, il sent que sa conférence là. Ça pue. Oh, Dune. Alors. Non mais après Dune, le problème c'est que c'est un RTS, non? Ah non, c'est un MMO. Non, je crois que c'est un MMO. RTS, on comprend rien. Bah, real time strategy pour toi, gros débile, pota. Merci, merci. C'est un jeu RTL, Dune. Arrête. Mais ce mec est vraiment hautain, hein. C'est pas possible. What? Non mais là il y a trois cellules qui se battent en neurones dans le crâne de pota parce que franchement pour pas comprendre. Bah, il a plus de gueule que Chalamet. Hein. Ouais c'est clair. Ah Chalamet l'insipide. I created the future. On avait pas vu du gameplay de ça à un moment, je crois. Hein. Ouais mais c'est pas un vrai jeu. Bah non, ça a l'air d'être. Parce que là, c'est déjà plus intéressant. La gestion. Plus ça a l'air d'être un peu comme Conan Exile je crois. Ah. Lapsus révélateur genre. Ouais, bah j'ai préféré celui de Lynch pourtant. Qu'est-ce que t'as dit, Jeannot? J'ai pas entendu. J'ai dit que c'était plus beau que celui de Villeneuve. Ah. Oula. Mais c'est quoi là, les trailers CGI? Ils sont de moins en moins beaux là, c'est quoi ce bordel? Après, je pense qu'ils essaient de faire de plus de trucs en genre real time truc, mais. Sont stylés ces vaisseaux quand même là. Tiens, c'est que je sais que l'univers il me plairait beaucoup, mais à cause de vous, j'ai la flemme de tenter de regarder le remake. Franchement, je m'en branle de Dune. Toi, t'as vu que le 1, non? Le 2? Du remake. Vous l'avez regardé, vous? Ah, t'as vu le 2 aussi? Ouais, j'ai vu le 2. Je pensais que t'avais pas fait. Je pensais que t'avais pas regardé le 2 du coup, vu que t'avais pas aimé le premier. Non, si, le 1, je l'avais trouvé sympa, mais avec des défauts. Le 2, il est encore moins bon que le 1. Ouais, moi, je vous dis, vous m'avez refroidi, donc j'ose même pas me. Essayer de me lancer dans le truc. Bah, ils ont l'air de suivre le truc du film là, donc. Oui. Bon. C'est ce dont j'ai l'impression. En tout cas, ça prend la même police, etc. Ah bah c'est sûr, je pense que ouais, c'est... Mais ça, c'est. Ah, tu vois, open world, les MMO. C'est comme Conan Exiles en fait. Pourquoi ça se calque sur le film de Villeneuve du coup? Et pourquoi ça se. Essaie pas de se démarquer? Bah, ça capitalise, je pense, sur le succès du film, c'est tout. Oui, oui, le chat, vous avez adoré Dune, j'ai des goûts de merde, et Dune est. Oh là là, oh, mais tous les goûts sont dans la nature! Terra, ça avait déjà cassé les couilles avec le 1, alors que c'est pas un chef-d'œuvre, et allez vous faire le chat, on parle du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson là, ou quoi, votre film de merde? J'en ai marre là. La défense. Malades, la défense de Dune là, à chaque fois. Ah, il y a des défenseurs à chaque fois. De défendre, genre, c'est incroyable. On se parle de Sam Raimi là ou quoi? Eh, les mêmes qui disent que Furiosa est nul, hein, bande de cons. Ah, au final, vous êtes allé le voir ou pas? On parle de Mad Max Fury Road là. Vous êtes allé le voir ou pas, Furiosa, au final? Ah, bah, là bien sûr. Et c'est génial, c'est super. Et le film, bah, j'ai encore envie de le revoir là. Parce que pourquoi Jean? Parce que George Miller est talentueux. À grandir, mais plus j'y pense et plus j'ai envie de le revoir. Moi, tu sais pourquoi j'ai envie de le voir? Parce que Kojima, il a bien aimé. Eh ben ouais, désolé. Ben bien sûr. Ouais, alors Kojima, j'ai pas envie de voir tous les films qu'il a aimé. Mais... ouais, mais celui-ci, je me suis dit, tiens. Il avait pas fait un tweet sur Dirty Papi, quoi. Dirty Papi. Attends, mais tu sais qu'à un moment, il a fait un. Ouais, super, t'as rien compris. Tu sais qu'à un moment, il a fait un tweet sur Cocaine Bear, hein, quand même. Hein. Ouais, bah, mais voilà, en fait, il y a un truc avec Kojima. Quand, quand il voit un film et qu'il aime pas un film, il fait ISO Cocaine Bear. Et quand il a vu un film qu'il aime bien, il fait ISO machin, N machin et truc. Et il y a 7 tweets en réponse, tu vois. Bah, il avait et Furiosa, il a bien sucé comme il faut, donc je me dis. Bah, ça c'est normal. Mais j'ai adoré Fury Road, moi, de toute façon, donc je vais aimer le 2, je pense.
Ah, c'est pas pareil. Faut... Ouais, c'est totalement différent. Ce dit, c'est non, non, missions. C'est différent. Comment ça, dans la, le déroulé ou dans le. C'est, non, c'est dans un genre, film dans la saga Mad Max. C'est pas un film sur Mad Max. C'est un film sur Furiosa. Ok. Faut de toute façon, c'est très bien amené dans le road. Hein. En plus, on l'a les revu, deux personnages c'est très bien sont très différents. Non, mais même si en termes de. Un super jeu. Ouais, ouais. Balance le Furiosa là. Parce qu'en fait, dans Fury Road, quand je l'ai revu, vraiment la transition sur Furiosa, elle est limpide, genre. Il n'y a pas de. Tu sais, il empêche tous les gars qui disent oh putain, c'est une femme à nouveau, la héroïne. Genre, tu sais, il empêche. C'est très justifié. Les incels de merde. Ah, le truc, c'est que. Mais c'est bien une origin story, Furiosa, du coup. C'est l'histoire de. Mais la fin de Fury Road justifie parfaitement la fin d'en plus Furiosa, et c'est ça qui est trop mais bien. C'est pas leur dire, Jean, c'est qui. Ils ont pas aimé la fin de Furiosa, mais vous êtes con ou quoi. Il refait pas la même recette. Okay. Mais non, c'est pas le même. Oh, mais ça me dérange pas. C'est pas le même film. Mais j'ai pas envie de revoir le même film, de toute façon. C'est pas le même montage, c'est totalement différent. J'ai pas envie de voir forcément le même film parce que c'est une suite. C'est comme ça qu'on fait vivre une saga. C'est George Miller. Ah putain, The Finals, on a oublié Jean. Bah, moi personnellement, j'ai pas oublié. Mais j'ai pas envie d'y jouer. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai bien aimé y jouer, mais j'ai pas envie de leur lancer, ah ouais. Quoi. Mais c'est juste long, Tibro. Ouais, c'est clair. Il dit pas non. Hein. Entre potes. Mettez-moi des bulles d'oignons dans le cul. Ah, il peut par le film Watch Dogs. Comment ça, film Watch Dogs? Bon, y'a pas besoin. Hein. Oh là. Non, moi je vous dis, de toute façon, les adaptations de jeux vidéo, Hugo, c'est pas. Tu te fais hacker ton stream En film, attends, il y a eu quoi y a... C'est quoi comme film bien de. Bah, récemment en adaptation, on a eu Fallout la série, on a eu Last of Us la série. Oh. Et en film, par contre, à proprement parler, je sais pas ce que c'est le plus récent qu'on a eu. Oh, une nouvelle arène. Après, ils avaient pas mis un mode 5v5 Ah, il est beau, par contre, le jeu, j'avais oublié. Si, ils avaient mis un mode en mode CSGO, genre, je crois. Enfin, CS. Ouais, ils avaient mis un 5v5. Oh là, dis donc, qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Qu'est-ce que ça devient, ça? Oh, ça a l'air fumé, ce truc-là. Là. Qu'est-ce qui vous fait rire, là, les deux, là? Comment sur le Discord. De quoi? Il m'insulte dans le chat. Putain, j'ai pas vu. Tellement une samedi. Oh, Thibaut, encore ajoute, hein, non. S'il vous plaît, les gars, dans le chat, calmez-vous un minimum. Attends, bouffez toute ta vie par la ratine. Salut à tous. Pourquoi ça met Raider? Comment ça, Raider? Ah, parce que j'étais sur le. Oh, ah oui, le DLC d'Alan Wake. Oh putain. Bon, lui, il veut. Ah, mais lui, il adore danser. Allez, Sam Lake. C'est Jean. Regardez, Jean est sur scène. Mais laissez-le, Sam Lake. Putain, laissez-le. Ah, regardez-le, il est sur. Oh non, putain, je peux m'imaginer que le Katsuki maintenant. C'est une folie, par contre, comment il vieillit pas, ce mec. Est-ce que tu peux vérifier Jean quel âge il a? Pardon, mais il peut ne pas dire. Moi je trouve pas qu'il soit si moche que ça, Terra. Mais il a une tête alien. Mais je le trouve pas dégueu, qu'est-ce que tu racontes? Il est malade, mais vous êtes fou quoi. Moi je trouve qu'il a du charisme. De qui? Bah lui, il a Sam Lake. Mais une tête alien. Bon, non, franchement, il est bien foutu, je trouve. Mais même normal. Quand il a la. Bah, Tibro, si tu. Alors, Tibro, t'es bien le dernier à pouvoir faire une remarque sur la beauté. Hein. Il a une tête alien. Non, vrai, je vois ce qu'il veut dire dans la tête d'Alien, mais après je comprends pas non plus. Mais il est pas moche quoi. Bah il a les yeux qui sortent un peu de son orbite, mais moi je trouve qu'il a une bonne tête. Hein. Mais surtout je trouve qu'il vieillit pas quoi, j'ai l'impression à chaque fois. Vérifie l'âge qu'il a Jean s'il te plaît. Mais pour moi il vient de Sam Lake, il s'appelle. Zénon 6000. 200 plutôt. Pas 500, 200. 200. Moi. La planète est plutôt proche, mais c'est pas la nôtre. Ah, il a 54 ans quand même. Ah putain, il les fait pas. Eh Terra, 54 piges quand même le gars. Mais je dis pas qu'il vit pas, je dis qu'il est peut-être d'aller. Mais bah, même pour son âge, il est plutôt bien conservé, le mec. C'est clair. Mais en fait, t'es juste chiant, t'es racine. Bon, toi, t'es pas drôle, fils de pute, là. Qui donc? Nettoie-les, t'es pas modo. Nettoie. Je vais bien bonne idée, mais attends, je suis pas modo. Là, je t'ai racine. Qui c'est qui a dit ça? Je vais les nettoyer, les casse-couilles, là. Impossible d'ajouter ce modérateur. Ah bah alors, qu'est-ce que t'as fait, Terra? Tu permets le juge de même, Hugo. Ça, c'est dégueulasse. Allez, vas-y, fais le ménage.
Ah bah c'était ça, dégueu. Merci. C'était quel aussi. Putain, j'ai pas vu du coup. Night Springs, a special place. Tête d'alien. Il continue genre, il rigole. Hein. Ah, il ricane l'enfoiré. Hein. Le mec qui veut faire un mouvement. C'est quoi, c'est Fallout ça? Non, c'est le DLC d'Alan Wake 2. Avec moi, j'ai adoré Alan Wake 2. Putain, c'est même pas réussi à le trouver. Moi, hein. Je pense que je vais me faire Max Payne 1, moi. Mais attends le remake, Jean. Mais je m'en fous du remake. Mais attends le remake, il sera super beau. Mais oui, mais j'adore les jeux moches. Ah bah, le 1 sera toujours très bien, mais non, je pense que rare, tu peux découvrir avec le remake. Quoi? Non, non, non. Ah, regarde. Ah. Oh, c'est une folie de faire ça. Et là, le chat, vous dites rien, vous vous laissez faire. Bah putain, c'est grave. Hein. Non, le mec se lâche. Et dingue la musique là. Bon, allez, j'arrête. Catastrophique. Oh, c'est la meuf de contrôle, ça, tiens. Ah bah, parce que c'est le même univers. Putain, je suis chaud. C'est intéressant. Et Alan Wake, il est de retour. De connaître les studios. Et c'est ce The Wheel of Night. Oh yeah. Et là, les gars, good night, Joe. I've been waiting a long time. La petite Autovan. Donc là, vous allez voir que le mec, il a 32 ans. Dollar. Oh là là. Alors dès qu'Amazon est sur un... Mais attends. Skull and Bones 2. Oh, c'est le... C'est The Terror. Dès qu'Amazon est sur un jeu, en général, ça sent pas bon, hein. C'est le pouvoir. Sur une série Yakuza, t'as vu, hein. Je vous rappelle, le dernier jeu Amazon, il a duré une semaine, hein. Ils ont fermé après. Ah putain, mais je viens de me rappeler que c'est Amazon qui a fait la série de merde de Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est les Pixies. Ouais, les Pixies. Mais c'est New World, ça, non? Je me rappelais, ouais, que c'est Amazon. J'ai jamais joué à New World parce que c'est un World of Warcraft, quoi. Bah, c'est un mémo, ouais. Les coups de Burn Man, là. Mais chier, l'autre. Mais ce super héros, tout le monde. Les amis catastrophiques, ta gueule, oh. Mais c'est le fourteur, mieux que le deux. Mais y'a pas à s'énerver comme ça, putain. Ouais, bon, on va pas le relancer, hein. Merci, hein. On m'a proposé l'OP, j'ai dit non. Merci. Ah, ouh, courageux. That's right, new world. Who's that? Who's that? Mais il est parti, Sam Lake. Ramenez-le, putain, il était super sympa avec sa petite danse. Et il nous fait ses placements, Geoff. Il a pas compris. Hop là. Et voilà, et ma crypto, si vous voulez l'acheter. Et mes petits vlogs avec mes repas, ma morning routine, n'hésitez pas à vous abonner. On n'a pas eu de mec qui est monté encore sur scène là cette année, ça manque. Hein? Ah, je me demandais quand est-ce qu'on allait la revoir. Dis donc, l'écriture d'aperçu, par contre, genre, on va repasser au CP. Hein. Quoi? Apercu, apercu. Bon, ça va, je vais te mettre la cédille, tu du coup. Non, mais y'a AP. Ah, remets, je veux revoir l'aboiement. Ah, je veux revoir l'aboiement. Pour la blague, il va en cuisine. Pignon 300. Mais c'est pas vrai, mais putain, la Katsuki. Danse à la Katsuki. Ah, y'a du bourre-cochon à la table. Eh, hey, Tibro, encore une fois, mais si ça te fait pas rire, dégage, hein. Fais chier, ce mec. Bon, bah, j'y vais. Donc là, on regarde à peu près, je pense, le 20ème trailer de Genshin Impact en 3 ans. Merci, les gars. Ah, ils ont du contenu, laissez-les apporter la mise à jour. À l'époque, ils le vendaient comme étant un truc. Je mettrai la vidéo où je suis envoyé. Attends. C'est comme c'est les bébés qu'on offre à Noël à des gamines. C'est genre, achète le nouveau bébé qui pleure la nuit. Bon, d'accord, c'est. Ça, c'est ok. Le pauvre Kamel. C'est horrible parce que tu sais, ça se voit, il pleure rien dessus. Il n'ose même pas le regarder dans les yeux. Il n'ose même pas. Je coupe ce c'est. Ah, c'est Honkai. Bon, écoute. Doberman. Ah! Quoi? Ah. Bah, je sais pas, je me dis un truc qui change peut-être, enfin? Peut-être vraiment le miracle. Ah, peut-être. Ah, c'est pas VR ça? Ah non, c'est le.
Non, c'est pas VR Pota. C'est le truc d'extract, mais sauf que c'est en mode médiéval. Je crois que Terra m'a dit que c'était pourri, mais j'ai pas testé au final. Lequel ? Dark and Darker. Ah, c'est trop complexe. Beaucoup trop complexe, donc horrible. Ah ouais, vraiment à ce point ? Ouais, c'est une infamie. Faut le tryhard de ouf pendant des heures et des heures pour comprendre. J'avais vu un peu juste Aiki jouer. Moi ce soir je dis levé mais le gameplay a l'air Hugo, enfin voilà, tu relances ça grésille. Qu'est-ce qui grésille? Ah mon stream attends. Ça fait une heure à peu près. Hop. Tout relance pas en fait, on t'en fout quoi. Ouais, c'est reparti. Elle est énervée la vieille hein, putain. Ah, je trouve pas ça très digeste hein, putain, la gueule de l'interface quand même. Hein. Oh. Après c'est un petit jeu en mais fait, bon quand même. Tu vois le showdown. Ouais. T'as pas envie de prendre une autre équipe et les mobs peuvent te mettre à défaut mais tu meurs pas à cause des mobs, c'est rare, ouais. Tu vois. Là le jeu on peut tryharder contre des mobs niveau 1. Ouais bon, bah, amusant quoi. Hugo. Ouais. Ah oui. Ah. Bonne soirée. Ah mais tu sais, comment t'es tombé sur cette vidéo enculé? Il m'envoie ça l'autre soir, il m'envoie ça hier soir, il y a 30 likes sur le truc. Ah, c'est fort. Rock. Ah. Bah écoutez, il aime Dune. Ouais, c'est chiant, hein. N'en déplaise à Terra. Il aime Dune. Oh bah y'a même des gens qui sont partis du public. Ah la vache, y'en a qui sont... Oh les cœurs, arrête ça tout de suite toi. Arrête ça tout de suite toi. Ah ils se font chier hein. Ah. Hein. J'ai entendu Capcom. Moi j'ai entendu Guts. Parle de ses couilles là. Et tout de suite mes couilles en grand écran. C'est pas Capcom ça. Kunitsu Gaming. Bah c'était écrit Kunitsu Gaming non. Kunitsu Games, oui j'ai vu. Ah mais si on l'avait vu ça. Bon c'était ah, joli mais... Ah encore un mouchou. Oui. C'est ah, toujours pas ça genre. C'est Mousseau. Ouais je sais. Ah. Oh ça va faire jaser. Ah il revient pas de mon pied. Ah. Nouvelle séance. Nouvelle séance. 90ème séance. Allez bon on enchaîne hein. Peut-être qu'un jour je vais apprécier le film. C'est vraiment un écoutez, génie, Alexandra. Terra a fait son aigri, je peux le faire. Voilà, je le dis ici haut et fort. J'ai que très peu ri devant la série Kaamelott. Et en plus de ça, le film, j'ai trouvé pourri. C'est bon ? Non, mais c'est bon ? Le film, c'est une cata. Le film est cata. C'est moins dangereux que de parler de Dune, Hugo. Ah oui, mec, Dune. Pardon. Ils sont chiants. Hein. Les goûts de l'évrier. Ah, mais je pensais pas que ça faisait autant débat, Dune. Ah, si, Dune, c'était le. Je me suis fait deux fois en un an pour un film et Dune en faisait partie. Pour moi, Terra est plus dissident que Ponce. Hein, mais bon, quand j'y pense, c'est mon avis. Aïe. Mais en plus, je comprends pas la. Enfin, d'où vient la fanbase parce que c'est quand même un truc. Non, mais le CEO Twitch est en paix. Moi, j'ai pas peur. Moi, je le dis, j'ai pas peur du CEO Twitch. Mais le CEO Twitch qui passe sur la chaîne de You Got Earlier. Mais du coup, je comprends pas trop pourquoi les gens ils le défendent autant. Genre, qu'est-ce qui fait que c'est aussi populaire quoi. Tu mets aux gens. Un bon directeur photo, mais qui fait toujours la même chose, donc on c'est souvent, mais eux ils le découvrent, donc ils se disent j'ai jamais vu un film aussi beau de ma vie, ouais. Et surtout un casting où c'est pour plaire à tout le ah, monde. Ah putain, ouais, on c'est vrai, Tia j'avais oublié. On le... met Zendaya, on met Anna Taylor-Joy, on met l'autre là, je sais pas s'appelle là, Café Elvis, tous ceux qui sont des tapis. Ouais, t'as raison, pour j'avais oublié les le casting. Fans. C'est vrai que le casting joue aussi beaucoup. Après, ouais. Hugo, c'est une esthétique qui... Merde. Qui est en extension de tout ce qu'on voit depuis 10 ans, oui, dans oui. L'architecture, dans. Ouais, mais par exemple, j'ai. Mais par exemple, Pota, tu vois le Blade Runner. Ce que je recherche, c'est des trucs. Nouveaux. Avec de la densité, avec des fleuries, genre avec plein de choses. Oui, oui, non, mais moi je comprends que visuellement il était ennuyé le film. Mais quand je compare par rapport au Blade Runner de Denis Villeneuve, je le vois pas autant défendu, tu vois. Blade Runner est très beau celui de Villeneuve. Ah bah moi j'ai adoré. Le... Non, c'est juste que si t'as vu l'esthétique du 1, l'esthétique du 2, c'est la même chose. Non. Le 2014. Non, je te parle de Dune. Dune, ouais. Dune 1, Dune 2, même esthétique. Moi, j'ai trop kiffé le Blade Runner bien, 2 parce qu'il est, il est très varié, quoi. J'aime bien le 2049, mais je préfère largement le 1. Donc, ah bah, c'est dans, pas pareil, dans ouais. Les trucs. Il y a les matte painting, il y a plein de trucs différents. Mais il est. Ah, mais moi, j'avais trop kiffé attends, dans le nouveau du Blade Runner. Ah, ouais, tiens. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas rejoué, tiens.
Bah écoute. Bah en fait le problème. Moi, je trouvais que Blade Runner 2, ce qui était cool, c'est que même dans les endroits que les personnages visitent dans le film, c'est ultra varié et très très. Enfin, tu t'ennuies pas comme dans Dune, je peux comprendre que tu t'ennuies, tu vois. C'est juste que Hugo, il n'y a pas. En fait, le problème, c'est que les alternatives de Dune, d'univers, c'est celui de Lynch. Et Lynch, ouais. Il a trop de défauts pour que les gens comprennent. Et en fait, il faudrait trouver un juste milieu. Juste milieu, ouais. Avec un mec qui donne de la générosité dans les trucs et qui fasse un truc à peu près. Après, Pota, George Miller a fait un film avec que du sable et pourtant c'est ultra varié, quoi, en termes de visuel. Mais oui, bah lui. Tu vois, c'est insipide. Tu vois, Fury Road, c'est le contraste parfait de ce que je veux oui, et oui. que Dune me donne ouais, pas. C'est pour ça que je te dis ça, je comprends totalement. Ouais. Vous loupez The Office depuis tout à l'heure, je vous le dis. Mais lui, il a pas une série Netflix, lui. Avec Xorg Blux. C'est un comédien, si, mais je sais plus dans quoi. Mais c'est pas toi qui m'en avais parlé, Terra. Non, mais je sais que c'est un comédien que j'ai déjà vu. Il a une série Netflix où c'est lui, que des sketchs. C'est pas celle avec les flics, là. Un film que je suis libre. Ah oui, c'est ça, Rizzo, ah, ouais, oui, t'as raison. Ah oui, mais c'est pour présenter quel jeu, là? Oh là là, il y en a qui ont rien compris. Hein. Et le Devolver Direct, on n'a pas signé pour ouais, le regarder. Putain, donc voilà, j'étais en train de penser à Devolver et leur sketch enfin. Le sketch m'a dit de voter Bardella. Hein. Ouais, c'est clair. Le sketch m'a dit, vous êtes dissident, monsieur. Le sketch m'a dit, il est monté de 32%. Hein. Oh la vache. Le sketch m'a dit d'aller jouer à Call of Duty. Ouais, le sketch m'a dit 1v1 Rustin. Le sketch m'a dit de tabasser Tibro à la fin du live. C'était sûr, je Ah, il fallait qu'il revienne sur le devant de la scène, le petit Tibro. Bah, quand même, il faut remettre Tibro, il parle pas trop. Mes fleurs. Bon, il va nous faire chier avec ses fleurs longtemps là, avec ses tulipes. Oh là là. Mais Tibro, tu penses à autre chose qu'à toi? C'est toujours moi, mes fleurs. Mon arrosoir. Je butine du pollen, je butine. Ça va quoi. Mon engrais. Mon compost. Il nous fait chier. Il a digué. C'est reparti. Encore. Mais lâche-nous. C'est bon, dégage. Tu nous fais pas rire. Moi, je préfère Elliot Doyle. Et vous? Je préfère Fabien. Ah, mais c'est pour skate. Et pourquoi pas Tu vas faire un MMO de skate d'ailleurs là 1000 conférences. Ah si, c'est par les anciens devs de Tony Hawk, genre. Plus j'allais à faire. C'est quoi la suite? Ils nous ont fait tout ce sketch pour nous présenter skate. J'ai pas de blague. Blague. Finis ma blague s'il te plaît. Mais une blague. Ok, du skate, ouais. Bah. Mais c'est un MMO. Mais genre, le truc. C'est un MMO. En vrai, c'est stylé. Ouais, mais le truc dont on parlait Jean là avant, j'ai vu aujourd'hui le trailer sur Twitter, ça a l'air 100 fois mieux. Hein. C'est pas comme le truc Ubisoft là avec le skill snowboard, tout. Non, là tout, c'est que skate. Bah, c'est que skate. Si, c'est peut-être ça aussi. Sauf que là, c'est du skate. En vrai, c'est le skate m'attire plus que les trucs de glisse. Mais je te dis, Terra, aujourd'hui, ils ont annoncé. En vrai, on a un skate dans le vocal. Bon, je vais peut-être. J'ai un truc simple, mais genre. C'est vraiment dur quoi de faire durer un jeu. Genre, à chaque fois, chaque truc, on se dit. Ah, mais surtout un jeu comme ça. Ah, oh, bah tiens. Fun World. Ah non, mais ça tient jamais, genre. Ça tient jamais. Terra, justement, aujourd'hui, il y a un trailer que j'ai vu sur Twitter. C'est de ça dont parlent les gens. Et c'est exactement pareil que Skate, mais c'est par d'anciens devs de Tony Hawk. Et moi, j'ai toujours préféré Tony Hawk. Là, le gameplay skate, j'avais joué un petit peu au 3, je trouve ça trop lourd, moi, ça me... Depuis 4 ans qu'on regarde les confs, Hugo, ouais. Il doit y avoir un ou deux jeux qu'on... Bah, je réfléchis, mais... Bon, on avait retesté vite fait, mais ça ne m'avait pas accroché. No Man's Sky, il a bien duré dans le temps. Non, mais de toute façon, ils sont pas faits pour être durés dans le temps, ces jeux-là. Hein. Je réfléchis, sincèrement. Bah, Genshin... MMO, n'empêche, Genshin Impact, pendant ce temps-là, à chaque fois, les gens y critiquent, mais Genshin est là depuis 1000 ans, hein. Eh, surtout que genre, vrai, le jeu est bien malheureusement. Pour durer, genre. Parle de quoi, Terra? Ouais, mais bon. Le jeu est vraiment bien pour le coup. Si t'as aimé Zelda, Breath of the Mais quel Wild, jeu tu parles, j'ai entendu Genshin. Ah, Genshin. C'est pour ça qu'il marche bien. C'est gratuit, il est aussi bon qu'un Zelda. Enfin, il apporte plus de trucs qu'un Zelda Breath of the Wild. Et puis, il est surtout mis à jour souvent. Hein. Oh, moi, Palworld, j'avais arrêté, c'était trop buggé quand même. À un moment. Ça va quoi. Les goûts de tigre de Sibérie. Oui, c'est ça ta gueule avec tes goûts de grenouille. Eh ouais. Ah putain, on tes goûts de crapaud encore clasher, Terra. On aurait baisé entre mecs. Tes goûts de crapaud buffle là. Bon, tes goûts de mammouth là, ta gueule. Ah, tes couilles de mammouth là. Tes goûts de gigant. Oh, des arènes. Topithecus. Ah, mais allez, tu vois, un jeu que... Tes goûts de tonatrope. Non, mais Palworld, j'ai joué genre 35 heures en une semaine, ouais, mais j'ai en fait, plus du tout envie d'y jouer quoi. Le truc donne pas envie non plus d'y jouer là, je suis désolé, mais c'est. Et du coup, pas de procès, rien.
Bah écoute, ils avaient dit on étudie le truc Nintendo, mais au final il s'est rien passé. Et je crois. Pourtant mec, le Japon, pas, sont bien surtout préparés. Nintendo, c'est ceux qui attaquent pour tout et n'importe quoi. Donc c'est étonnant. Je pense qu'ils ont dû bien se préparer. Bah c'est sûr, ils ont dû vraiment faire le truc dans les règles de l'art pour pas être emmerdés quoi. Ah, Valorant, Jean, qui joue plus. Bah non, j'ai. Et une mise à jour d'R6, ils vont en parler parce qu'il y a quand même la mise à jour le 11 là. Et le jeu de combat Valorant, enfin Riot, j'aimerais bien. Salut les deux. Ouais, ouais, franchement, j'aimerais bien qu'ils fassent une annonce à le Showdown. Bah ouais. X truc. Mais Hunt, là, quand on a. Il y a pas une nouvelle mise à jour visuelle ? Quand on avait rejoué. Ah ouais ? Hunt ? Oui, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait une annonce parce que vu qu'ils vont faire la mise à jour. Il y a deux jours, Hugo. Ah bon ? Mais je m'en rappelle plus du tout. Et du coup, c'est quoi ? Bah, ils vont mettre à jour le moteur. C'est Jean-François. Ah ok. Ok, Jean-François. Et le moteur. Attends, je suis où là? La VC en live. Ah bah c'est cool s'ils font une petite maj graphique, le jeu est déjà super beau en plus. Bah ouais, très beau, mais. Il a quand même plus de 6 ans le bousin. Non, mais 6 ans Hunt. Comment ils vont changer le truc? Parce que. Pour moi, il est jeune encore. Ah, quoique on y jouait déjà en 2018, ouais, Terra, t'as raison. Attends. Pour moi, c'est jeune encore. Tard l'époque, tu peux le dire, Terra, vas-y, fonce. Bah ouais, mais tu vois, Pota, faut qu'il reste, qu'il maintienne avec les standards, quoi, finalement. C'est con qu'il n'y ait pas autant de joueurs, par contre. Mais il colle encore en standard, en vrai. Bah ouais, mais sauf que les gens, ils se plaignent aujourd'hui dès qu'un truc est pas parfaitement beau, comme tous les autres, et du coup, ils se lassent. Bah oui, on est d'accord. Quoi comme animal? Par rapport à quel jeu, Jean? Girafe. Des goûts de buffle américain. Ah bah. Bon, ça annonce rien, là, Valorant, là, non? Retour de Gibbs. Si, regarde, il y a des tirs dans la tête. Gibbs is back. Je reprends Valorant. JBZ de l'abeille. Pourquoi il a arrêté? Il a dit Bah, il en avait marre et il voulait se mettre au tennis à fond, voilà. Je pense qu'il en avait bien marre de sa commu aussi. Ouais. Il y a moyen, ouais. Franchement, c'est tout à son honneur parce qu'il marchait à toute partie de ouf et il s'arrête. Bah, c'était celui qui avait le plus de. Bah, il s'est mis très très bien et maintenant il profite, écoute. Et quelqu'un lui a dit que le tennis ça avait rien à voir avec Valorant. Quelqu'un lui a dit qu'avec Viper on peut faire de revers ou de coup droit. En vrai de vrai, je pense que tu sous-estimes le fait d'avoir une commu TikTok parce que. Ah ouais? Ça doit. Bah, ouais, moi j'ai vu pas mal de clips où je le voyais un peu crisé. Non quand mais tu fais un live et t'as tout le temps des débiles, tout le temps. Non mais tout le temps. Ça et quand t'es un des porte-parole en quelque sorte. C'est comme Rebeu d'Ether, Rebeu d'Ether. De quoi Jean? Quand t'es une des images d'un jeu vidéo dans un truc. Ah oui, t'es fiché sur un jeu. Ta communauté elle parle de toi et en mode genre t'es limite associé à un comportement de mec sur un jeu. Et du coup quand t'as des connards aussi, qui se passent bizarrement et les gens ils disent ah bah ça c'est la commu JBZ donc c'est forcément lui. Et du coup je pense que ça te rend fou. Non mais je veux dire c'est quand même respectueux. Enfin respectable je veux dire dans le sens où c'est, pas ça, le cours, le c'est quand même dingue de dire que t'as un métier qui est relativement facile où tu fais beaucoup d'argent et tu l'arrêtes alors que t'es en plus dans ton pic de ça marche. Oh mais il était très bien à mon avis. Il s'est barré parce qu'il pouvait se barrer quoi sur tout ça en fait. Parce que t'as des youtubeurs de 30 ans, ils font encore des vidéos gaming pour des communautés de 8 ans et demi oui, à parler comme des abrutis. Je me dis, arrête, ils font ça, tu vois. What the fuck you talking about? Furious Jumpers? Non, mais voilà quoi. Furious 3? C'était même pas sur console, Valorant, je savais même pas. Non, mais y a pas. Enfin, après, CSGO est arrivé sur console. Oui, maintenant c'est sur console. Enfin, ils l'ont annoncé, mais ils ont toujours voulu le porter sur console. Je crois qu'ils veulent même le porter sur mobile en plus. Ouais, et d'ailleurs il y a R6 mobile aussi. Et puis sur Nintendo DS. Et sur VTech aussi, Pota. Sur VTech. Ah, non, arrête. Putain. Et qui est cette femme? Et R6, ça te dirait pas de jouer avec c'est la chef de Valorant. Joue en ce moment. Bah si, moi j'ai la chef de Valorant. On va jouer ensemble. Vas-y. En ce moment, je suis plus Anshala. Ça va, t'as mis 3 trailers là. Et chacun son tour maintenant là. Non, après, mais ils sont milliardaires, hein, Riot, donc forcément. Mais ils ont du pognon, hein. Ils ont réussi leur coup quand même, hein. Ils ont débarqué avec un Overwatch CS. Moi, franchement, les rumeurs de MMO Riot, je pense vraiment ils peuvent enculer Blizzard. J'ai trop hâte de voir en fait ce qu'ils vont faire. Je sais pas si ça va vraiment être possible parce que à chaque fois ils s'en sortent bien. Hein. En gros, ils prennent des formules qui marchent et des mix. Ouais, mais surtout, dis-toi, Terra, en fait, que. Ils ont fait LOL. Ouais, voilà, ils ont fait LOL. Là ils ont fait Valorant en face à CS. C'est le truc là. Mais c'est surtout que en fait Blizzard ils sont fichés comme compagnie qui est datée, enfin ils sont plus dans le coup. Donc Overwatch ça se pète la gueule. Pareil. Clair. Pareil. Garage couillon.
Donc maintenant il y a un flambeau à reprendre, faut qu'ils le fassent quoi. Après je pense qu'ils prennent, ils ont l'air je de prendre les couilles à la merde. Leur temps et de pas faire de moins de faux pas, tu vois. Mine de rien. De quoi Jean, j'ai pas entendu le début. J'ai, ils ont l'air de prendre plus leur temps et de faire moins de faux pas que d'autres peuvent faire. Il prend bien son temps là le jeu de combat, hein, franchement. Bah oui, mais oui, on c'est bien. On hein. va parler quand t'auras plus des goûts de gobelins, merci. Et qu'est-ce qu'ils veulent, Fleuris là? Eh, retourne dans ton pot de fleurs. Il cherche des animaux. Et il va la fermer avec ses goûts de roucaille. Il écrit ses phrases de clash sur bloc-notes depuis tout à l'heure. J'ai pas le nom d'animaux, c'est le meilleur. Oh bah ça va. Oh non, va s'enculer, il a chié dans le micro, c'est Remly. C'est qui ça? C'est Remly. Non mais Remly, il vient plus en vocal depuis des mois, et il vient nous péter au nez. Le pot de Balrog. Vous ne péterez pas. Oh putain. Il y avait Gandalf devant son trou du cul qui a essayé d'empêcher la sortie. Non. Le pet vert des sables. Dans Dune, je rappelle. Oh, attention, Dune, attention. Attention à ce que tu dis, compare pas ça à Dupé. Putain de merde! Oh, tout le public se fait chier, putain. Tu es obligé d'adorer, Jean. Oh putain, je viens de repenser Terra. Quand on était à l'E3, il y avait le mec, on voyait ses seins là. Quand il y avait l'interview, tu te rappelles pas? Ça me dit rien, non? Ah, c'était E3 2016. Et il y avait un mec qui était cosplayé en méchant de Far Cry. Et il y avait sa chemise très très ouverte. On voyait ses tétés pendant le. Pendant le truc là. 1h44. Qu'est-ce que tu fous là? Ça finit quand? Dans une heure. Ah, j'avais pas vu. Il est trop classe ce singe. Eh bah ouais. Eh bah ça, c'est George Miller. Pourquoi c'est aussi moche là? Ça défonce Dune. Ah bah facile. Bah bien sûr. Bah tu rigoles Thibaut, mais c'est bien vrai. Je rigole parce que c'était bien fait. J'abuse même pas, j'abuse même pas. On n'abuse pas, malheureusement. C'est quoi ce crossover là? Attends, mais c'est super laid par contre. Oui, c'est des émotions, Hugo. Regarde, ça c'est culpabilité. Regarde. À droite, c'est pédophilie. Mutisme. J'ai le droit de dire ce que je veux. Une nouvelle émotion, racisme. J'ai toujours pas vu celui-là au final. Mais on a fait pire juste avant. Mais c'est quoi le perso? Il vient d'où? Je ne comprends pas. C'est un crossover de trucs. Hein? Attends, quoi? Ah, je crois que j'ai compris. Vous avez regardé le Sozik? Ah oui, tu vois. Oui, j'ai compris. En fait, c'est dans le film, il y a un moment où il joue au jeu vidéo, il y a un perso de jeu vidéo qui interagit avec les émotions. J'ai envoyé un Sozik d'un youtubeur. Attends, je vais le mettre. Bon, je vais pas refaire le jeu de mots. Mais le live chat, hein. Sur Insta, t'es si, tu peux le refaire. Non, non, je vais pas refaire le jeu de mots. Mais il fait encore des films, lui. Attends, ah, il en est à faire des pubs pour tes cheveux. Pour un plus soft. Mais il doit plus avoir un seul euro, ce ah, mec. Il a plus de rond, là. Le pauvre. Oh, le pauvre. Ah, en vrai, ça fait pitié, hein. Ah, c'est le mec dans Toy Story 2. C'est Toy Story 2. Le mec qui vend dans les costumes de chicken, là. C'est grave, hein. C'est qui? C'est vraiment ça. Tu vois pas, Thibro? Théo joue tout le temps à ce jeu, hein. Toy Story 2, c'est le gros qui vend les Woody, quoi. Au vide-grenier. Je me rappelle pas. C'est vraiment la même chose. Je crois le pauvre mec. On a les conférences les plus pourries de l'année. Hein. Bah, il y a Kingdom Come et moi le jeu d'escalade que je retiens. Ouais. C'est voilà. Deux quoi, sur une heure et demie, ça fait chier quoi. Enfin, là c'est bientôt fini Kingdom en plus. Come, on savait déjà. Ouais, en plus. Ouais, mais au moins. Hugo, monsieur. Tu démontes religieuse en plein Tokyo. Oui, pardon, c'est vrai. Déprime cette conférence de merde là. Depuis Macron, c'est vraiment plus pareil. Ouais, bien dit. C'est pas drôle en plus là. Dites-vous que chez JDG ils sont morts de rire là. Arrête Fred. Mais les développeurs ils ont pris de la ganja marijuana. Mais les développeurs ont bu de la Dark Dog. Dites-vous qu'Aipierre il explose son mur là quoi, dans son live. Son mur. tellement c'est drôle Hugo. Putain c'est vraiment bon. Ah c'est bon, c'est bon. Alors, en fait le problème c'est que là il y a aucune matière à faire quoi que ce soit. Enfin c'est même pas drôle. Mais c'est lui, pas intéressant. Mais lui va faire ton biopic Hulk Hogan toi là. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais c'est long. Mais je le connais aussi le mec qui a la barbe là. Bon par contre ça c'est un hit ça. Attends, je vais te mettre un sosie. Putain, ça se voit, ils auraient tellement aimé avoir... Mais attends, mais... Ah non, ok, j'avais pas compris la blague. Je pensais qu'ils avaient changé de chinois dans le poulet et qu'ils pensaient qu'on allait pas voir. Ah, ils auraient changé les acteurs pendant la pub. Je me suis dit, ils avaient pas eu les acteurs pour faire ces plans-là, ils ont pris des doubleurs. C'est chiant, hein.
Mais lui, il joue dans quoi là, l'acteur? C'est très gentil ton chat, c'est intelligent qui disait c'est Chris Hemsworth. Merci, on n'avait pas reconnu, on pensait que c'était David. Ah merci. C'est gentil. Oh. Non mais je pense qu'il y a des gens qui se posent vraiment la question aussi. C'est planète, là, c'est planète Terre, la galaxie. Juste comme ça. Hein. Je pensais que c'était vraiment Hulk Hogan, moi. On est sur Neptune. Mais attendez, plus, c'est toujours pour le jeu Supercell, ça? C'est toujours pour Supercell, ça? Je sais pas, mais c'est trop long. Ça fait bien 3 minutes, là. Vous faites des sketchs, là? Si j'étais en public, j'aurais dit ta gueule, la pub. Ah. Allez. Ouais, bah toi, tu es un mec qui clash, hein. Ah bah oui. Ah donc, c'était bien pour ça, c'est une pub. Hey les gars, vous savez quoi? Je vais vous présenter... Ah par contre, c'est Nickelback qu'on entend. Ah oui. C'est lui qui a montré aux clients Noah. Le monsieur le Bioc 12. Moi, Instam. Ouais, j'ai autre chose. Ouais, j'ai vu. Ouais, j'avais bien aimé l'autre. Je peux pas. Monster Hunter, je veux voir. Ah, je veux voir. Vive Monster Hunter. Mais alors que c'est... Et il est beau ce jeu, je m'en fous moi. Terra, okay, tu vas pas nous refaire la fine bouche à nous dire non, je joue à Hunt, hein. Tu vas nous rejoindre quand on y joue. Mais tu dis ça, mais quand on y a joué, on a joué une fois, on a pas lancé. Mais c'est parce que je t'aime pas trop. Ils sont placés au bon endroit. En plus, je suis agent EDF, JDF. Quoi, on est d'accord que c'est un nouveau Monster Hunter, pas un DLC ou une mise à jour? Ouais, c'est un nouveau et qui est aussi beau que World. T'avais pas vu à la dernière conférence? Qui était pourtant, hein. En plus, t'étais là, il l'avait déjà présenté. On verra ce soir, c'est Space Cake Dune. Crumble Dune sur lit de sable. Oh là, il lui a coupé la parole. Vous avez les yeux rouges, monsieur, là, dis donc. Eh bah, lui aussi s'est tapé un petit cake. Un petit Space Cake Dune, là. Bon, ouais, c'est là, je suis trompé, hein, genre, c'est pas grave. Pourquoi quand t'écris Terracine, il y a une emote? Moi, j'ai une théorie, c'est que si t'as vraiment fait des gigas dingueries... Oh, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Bah, Terracine, c'est l'emote Terracine, t'as pas vu? Ouais, bah, je savais pas qu'il y avait une emote. C'est l'emote 7TV. Qu'est-ce qu'on s'est éclaté, hein? Qu'est-ce qu'on s'est éclaté? T'as les cernes qu'il a. Et bah, il a fait le voyage pour ça. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on s'est éclaté, hein. Dégage de Sem. Ouais, bien dit. Qu'est-ce qu'on s'est éclaté. Oust. Remettez-moi Sam Lake. Je l'aimais bien ce mec. Ah, au moins il danse l'Acapulco là. J'ai oublié le nom de la danse. L'Acapulco. Ah si, ça ouais, pourquoi pas ouais. Non, mais ah oui, ça, toi tu avais joué en plus Pota, non, à Monster Hunter. Mais oui, ah non, c'est Monster Hunter, je suis dégoûté, je pensais que c'était le Sea of Thieves avec dans le sable. Ah non, c'est pas ça. Bah mais Monster Hunter, pourquoi pas, hein, tu sais qu'il faut tester. Mais ça fait 5 fois qu'il le montre, Monster Hunter, là. Mais c'est des bons jeux. Bon, c'est des bons jeux. Oh mais les gris, oh. Eh, mange ton seum de saline sel de merde. Ah, c'est goût de lapin de garenne de merde. Voilà. Mais regarde-moi ça, quoi, faut tuer des monstres. Et puis, et on peut pas tuer les monstres dans la vraie vie plutôt. Oh, les chefs d'État. Là. Attention. Le mec. Bota, attention. Le CEO, le mec le dépasse les bornes. Pendant ce temps-là, Tibro, allez, je plante juste, mes petites roses crémières. Juste, le CEO de Twitch, il passe, il m'entend dire ça, mais. Bah il sait qu'il est dans le viseur, hein. Il pète un plomb quoi. Ah là il pète un ciboulon. Oh, ce mec, ah bon bah elle m'a saoulé. CEO Twitch soutient Palestine. Allez, hop, dans ta chaussure. Dans ta chaussure. Dans ta semelle. Un ciboulon. Un ciboulon il a dit, hein. Mais t'es malade ou quoi? Ça c'est pour moi ça. Non mais attends, mais t'es complètement taré mon pauvre. Mais tu vois, tu veux te faire bannir de toutes les plateformes toutes chiennes. Oh là, la texture du sable par contre là. Oh la vache, mais lui il va se faire cancel. Je te jure. Oh la vache. Je suis épinglé genre. Si Squeezie t'attrape. Bah je peux pas parler chez lui. Oh la vache. Moi je suis pas content. Attends. Ils font des beaux visages quand même, Capcom. Hein. Je suis père de rage. Tu l'as chopé ou si
Ah, je refuse de croire que c'est dans le truc. Ah oui, ok, je me disais. Impossible ce soit dans le truc Discord. Et pourquoi pas? Ah. Ah oui, ça avait l'air pas mal ça. Phantom Blade? C'est joli en plus. Ah, c'est ça le dernier truc! Oh! Ah putain, mais Geoff, il y avait rien, c'est pas possible. Il faut s'abstenir quand il y a rien, hein. Sincèrement. Hein. Ah, si tu me dis qu'il prend je sais pas combien par jeu présenté, je l'ai fait ces conférences. Hein. Bah ouais, mais. Normalement, Summer Game Fest, il y a des trucs mieux là. Bah oui. Tu penses qu'il garde pour le Xbox là, enfin... Ah, Xbox, normalement, c'est que... censé être vraiment pas mal. Il y a beaucoup y a des... de jeux qui sont ouais, pas annoncés. Il y a des trucs à eux, genre. Oui, voilà, c'est ça. Ça va, bien au sec dans ton petit lit. Moi, je pisse au lit. Je me lève des fois et je me pisse dessus. Un ah, BG ou je sais pas. Tu l'as sorti de ton trou du cul la vidéo, ça fait 1000 ans qu'on l'a pas vu. Ah bah je suis allé dégoter. Non bah je suis désolé mais encore un truc où on en a rien à foutre. Oh arrête ça, ça me... je trouvais ça plutôt non, pas non, mal. Mais Hugo Enfin je veux dire c'est bah, après, encore. Bah après, je suis d'accord, on voit toujours les mêmes jeux mais ça a son charme. J'ai l'impression mais... Bah ouais mais c'est de l'esbrouf quoi, on l'a vu 1000 fois effectivement. Mais ouais. Moi je réfléchis là, depuis qu'on regarde les conférences ensemble, je crois que c'est le pire Summer Game Fest qu'on a vu quoi. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on dit ça chaque année donc... Vous dites ça vraiment tout le temps. Non non, ça fait vraiment... Ça fait vraiment le prof... Ça fait vraiment le prof, c'est la pire classe que j'ai eue. Bah... Pire. Non mais en vrai, chaque année, le meilleur truc qu'on voit en été c'est la conférence Xbox parce qu'ils montrent plein de trucs. Et au final, ils sortent rien. Et les Game Awards, c'est pas mal souvent parce qu'il y a des grosses annonces, c'est tout. Là, c'est la pire. Non, mais là, il y a vraiment rien, rien du tout par rapport aux autres années, quoi. Mais ouais, c'est vrai que t'as pas tort, genre, on voit toujours le même truc. Danse à la Katsuki. Bah, franchement. Danse à la Katsuki. Bah, franchement. C'est quoi, genre, je suis d'accord, je la danse à coup. Bah, franchement. La Katsuki. Non, mais juste. Et en plus, Geoff avait dit sur Twitter qu'il n'y aurait pas de mode morphing, donc là, il n'y a même pas de surprise, quoi. Eh, hey, je suis désolé, le truc le plus marquant, c'est Sam Lake qui vient, qui danse sur la scène. Bah, moi, je retiens le DLC d'Alan Wake 2, le jeu de grimpette français. D'escalade. Franchement, c'est le seul truc. Et Bah, merde. J'ai oublié. Et le CEO qui a failli nous faire ban parce qu'on est quand même putain des G, mec. C'est quoi le jeu Wukong. Ah, oui, il y avait okay. autre chose. Ouais, mais Wukong, on n'avait pas eu un seul bout de gameplay, quoi. Comme partout. Comme partout. C'était quoi l'autre jeu que Pota a dit? J'ai oublié. Il y a Star Wars Outlaws, ouais. Non, ça je l'ai dit. Ouais, et Kingdom ça, Come, voilà. Star Kingdom Wars Come. Outlaws, c'est vrai aussi. Mais je l'avais déjà. Oh, on a déjà tout vu plusieurs fois en fait. C'est ça qui est dommage. Non, mais ouais, j'aurais voulu du gameplay de Wukong. On n'a pas vu beaucoup plus de choses que ce qu'on connaissait avant, quoi. Putain, quand Wukong va sortir et que ça va être un énorme. Caca? Caca, machine à blanchir de l'argent là. Eh ben. Ah, j'espère pas quand même, hein. Ça fait longtemps qu'on nous tease. Bah ouais, mais 60 minutes. On verra, hein. Ah, je suis trop déçu, putain. Bon, allez, moi j'y vais, bonne nuit la team. Ouais, d'accord, pas, on va te suivre. Donc c'est que c'est terminé. Tibro qui, a envie de rêver de petites plantes, je le sens. Bah oui. C'est fini. Elle me manque mes petites bégonias. Non, par contre, j'ai envie de m'enculer le cul. Allez, dans ce stream. Bonne nuit. Bonne nuit. Comment ça, bonne nuit? Ciao. Non, mais y'a pas à dire, Xbox, ils ont intérêt à tout balancer encore. C'est quand Xbox? Wow. C'était dimanche. Dimanche 19h. Non, mais Xbox, je vais pas te mentir, moi j'ai des souvenirs à chaque fois d'Xbox où mais c'est vraiment correct. Hein. À chaque fois, on passait des bonnes conférences. Hein. Et ce qu'ils montraient en plus à chaque fois, c'est c'était pas mal. C'est laquelle, celle qui est rapide qu'on chaîne? Bah, c'est celle-là, Devolver. Justement. Ah non, c'est Devolver, non. Xbox non, Xbox, c'est la conférence qu'on chaîne le plus parce qu'il y a pas de public, il y a pas de parlotte beaucoup et ça enchaîne les trailers tout le temps, tout le temps. Donc, mais Xbox, ce sera Call of, oui, mais c'est après la conférence Xbox, il y a la présentation de Call of. Bon, allez, on se mate Devolver. Ah non. Je pense qu'on a un coup de Devolver dans la gueule. En plus c'est dans allez, une heure et demie. Un coup de Devolver Allez, un coup de Devolver. Attends, il est quelle heure? Bon, il est qu'une heure.